راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. اليوم غادي نزيدو كاس مع نسيم دندان. شو بغي نقول لكم خوتي؟ نسيم جو بونس كو سي لون دي بلو فيي بيرسون كو جو كوني. صافي 20 ans qu'on se fréquente. Je me rappelle la première fois اللي تلاقيت معاه. Je me souviendrai comme si c'était hier. C'était في كوليج. نعقل داروا لنا حفلة توزيع الجوائز وهو كان هكا يلعب بيانو باش يدير شويه الانيماسيون. Et moi j'ai vu cet instrument et j'avais qu'une seule envie, انا ثاني نلعب مشيت عندها قلت لها خويا كي نديرو باش نتعلمو هكا لي انسترومون كاع. هي هو رسلني الكونسيرفاتوار، هو قال لي روح هكا كاين معهد موسيقي تتعلم فيه. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai fait de la musique, c'est grâce à lui que j'ai rencontré plein de gens. Après j'ai débarqué à Paris. Deux ans plus tard, Houaja, on s'est retrouvés, on a bourlingué ensemble, j'ai suivi un peu sa carrière. Je me rappelle, j'ai présenté, j'ai animé tout, son premier concert. En fait, je suis très très content qu'on se connaisse toujours, parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai grandi artistiquement. Soufrina, tu m'as hanna ma'abad, trabna l'kisen, ou zidna, ou aoudna. Du coup, donc je me suis dit, faut absolument que j'y chikh ma'ana, yahkina bzaf swala. Je voulais absolument que haka y dévoile lkom wahed swala, rien d'aller n'arraf hom. En plus, ouais, j'ai chouïa pudique, gadi tchifou fil épisode, ala balik debst ma'a, bach nahadra, bach natqa, des fois yadra ala roha, des fois haka yadkhol fwahed, sira'at nawawiya, kima qoutlek, mais on a fait un super épisode, j'espère gadi ajib kom kou, vous êtes bien installés. Je vous souhaite une très bonne écoute, jma'a, ou yata comme ça. Je suis arrivé à Paris, j'aime la musique, je cherche des endroits où je peux partager ma musique, partager des bons moments avec des musiciens. Donc je commence à aller à des endroits, donc comme le caveau des Oubliettes, la rue des Lombards, la rue du Jazz. Oui, les bars à jam jazz classiques, voilà, de Paris. Qui sont là où j'ai commencé les institutions, ouais. Et en fait, à force, je commençais à aller à Ménilmontant, je commençais à aller à Belleville, truc. En fait, ça manquait. Paris manquait cruellement d'un endroit où systématiquement un Algérien, un Marocain, un Tunisien ou quelqu'un d'autre pouvait venir et partager et rencontrer des artistes. Donc au début c'était difficile en fait. Karim du Royal Est m'avait rencontré parce que j'avais fait la première partie chez Sidi Bémol à un moment, et puis il m'avait écrit un mail en me disant que en fait il voulait que je vienne jouer chez lui en vérité. Mais sauf que quand je suis allé lui parler, j'ai senti que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique et il connaissait personne en fait à l'époque. Donc il voulait un endroit musical. Donc je lui ai dit, moi ça a été une partie de mes études, de médiation des arts du spectacle et tout, et qu'on pouvait créer quelque chose ensemble. J'avais une contrainte à ce moment-là, c'était les papiers, j'avais besoin d'un contrat. Et il a accepté de me prendre en employé, et moi en contrepartie je me suis dit je vais faire un lieu qui déchire. Donc j'étais un simple employé, il y avait la case animateur dans ce bar-là. Mais c'était pas pour ça en fait, c'était beaucoup plus loin que ça, c'était mon premier métier en tant que médiateur. C'était le premier métier où quand tu sors, tu utilises tes études en œuvre. Parce que tu avais fait un master en médiation culturelle. Médiation des arts du spectacle, voilà. Et en fait, je me dis, voilà, j'ai des gens que je connais autour de moi, donc Jam, Sidi Bémol, Samir Abrahamia, truc, et plein d'autres gens qui ont contribué à ce lieu. On a défini des règles, on a acheté du matériel convenable pour jouer, on a un petit peu changé la déco, les briques, les machins. Et il manquait un truc, je me suis dit, mais en fait, pour créer un concept à Paris, dans une ville où tous les deux pas, il y a un club, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que ça soit quelque chose qui se démarque.
Du coup, j'avais suggéré de mettre un tapis et que les gens qui viennent juste boire un verre, ils s'assoient sur le par terre sur le tapis et que les gens qui mangent sont attablés. Ça permet aux gens qui sont attablés de voir le spectacle et les gens qui viennent juste boire un verre d'être là, mais ils sont assis sur un tapis. Et je me rappelle, voilà, la première fois que j'avais évoqué c'était ça. C'était en quelle année ça? 2015-2016. Création du Royal Est. Et en fait, les premières personnes qui étaient là autour du Royal Est, ils disaient, mais ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Comme chaque vraiment. Projet. Je me rappelle même quelqu'un qui allait. Franchement, si tu réussis à faire asseoir des gens ici à Gare de l'Est, moi je fais le tour de Gare de l'Est à poil. Premier spectacle, c'était Global Gnawa le 9 septembre 2015. Et je me rappelle de la date parce que c'était assez marquant en fait. Il y a eu du monde, mais c'était blindé. Et on a eu même Souad Massi, je crois, dans le public. Et qui s'était assis aussi, comme tout le monde, sur le tapis et tout. Génial. Et en fait, là, on a vu qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, en fait. C'était vraiment la première prestation, on s'est dit, vraiment, il y a un truc qui se passe. Et personnellement, moi, pour avoir joué plein de fois au Royal Est, je trouve qu'il y a vraiment une âme, quelque chose qui nous emporte. Et je pense que même les gens qui ont déjà passé des soirées Royal Est, il y a quelque chose qui nous tient dans ce lieu-là. Il y a quelque chose qui nous tient. Alors, est-ce que c'est le patron qui fait ça? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le fait? Je pense que chacun a sa raison. Moi, je peux te dire la mienne et oui. Amélie peut dire la sienne. J'ai une anecdote. Tu sais que dans le podcast, on prône un peu la subjectivité. Tu vois, notre objectif, c'est vraiment d'avoir le ressenti de chacun. Amine Goulet, souvent, si ça ne tenait qu'à moi, dire 45 millions de podcasts avec chaque Algérien pour avoir 45 millions de versions différentes. Wow. Donc, je vais te donner ma version, Amine, avec la version. Tu sais, c'est intéressant ce que tu as dit. Où ça te paraît? M'chit les jambes, d'art, la huchette, mais les beliches. Mais je trouvais que j'ai pas trouvé un lieu où une Britney dire la musique taille, où une tlaqa, j'm'aitna, les Algériens, m'garba, twins, quoi, des gens. Ça t'aide finalement à fabriquer quelque chose. Ouais, et ben en fait, moi j'adore ce lieu parce que tout simplement, c'est le lieu en fait, comme c'est que ça revient à chaque fois où j'ai pas besoin de faire d'efforts. C'est un endroit où tu t'exprimes dans ton entièreté, tu vois. Et en fait... Et aussi, je vais te dire la vérité, c'est un peu... C'est bizarre à dire, mais quand je vais là-bas, j'oublie un peu que ça a été dans le Ghorba, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu le lieu que j'ai Exactement. Toujours rêvé d'avoir flagéré, tu vois. Exactement. Et tu vois, je ne me sens pas du tout jugé. Je ne sais pas, c'est vraiment un lieu où je sens que je peux être complètement moi-même et... Et du coup, donc juste pour passer une bonne soirée, échanger avec les gens. Et je vais même te dire... je vais même te dire que... je pense que l'une des réflexions fondatrices du podcast est née au Royal Est. Parce que tu sais, dans la bande-annonce, je dis à chaque fois que nous parlons de l'Algérie, nous parlons de la politique, nous parlons de la société, la culture. C'est vrai que c'est redondant, kiff-kiff. Même si tu sais qu'il y a trop d'années royalistes, tu rentres le soir, voilà, je suis content, ça me fait du bien, je ne sais pas. J'ai l'impression que les voyages sont très bien. Et un soir, on est là-bas et ça parle. Kiff, la terrasse, t'as vu l'entracte? Oui. Ça parle. Et à un moment donné, il y a un mec qui pose la question, il dit, mais pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Et en fait, c'est parti un peu en analyse sociétale. Oui, parce que l'économie... En fait, juste personnellement, il y a la subjectivité. Et en fait, à ce moment-là... Chacun a commencé à parler de ses raisons personnelles. Et c'est là où la discussion est devenue intéressante.
J'appelle Amine, je lui dis, Amine, il faut que je te raconte. Hier, j'ai vécu un truc de ouf. Chacun a commencé à raconter sa version des faits. Mmh. Et c'était beaucoup plus intéressant que d'avoir un expérience. C'était des récits personnels. Oui. Et subjectifs et surtout véridiques. Et c'est à ce moment-là, je lui dis, Amine, c'est l'idée du podcast, il faut qu'on aille dans ce sens-là, il faut qu'on... Tu sais, je ne sais pas si tu te rends compte, toi, tu es arrivé à Paris, tu avais besoin d'un lieu, tu as monté un truc, tu l'as créé, moi, ça m'a fait du bien, et finalement, c'est ce lieu-là que tu as créé parce que tu as eu un besoin qui fait que regarde, ma Ali, ou ma Cheikh, ma Ali. Oui, oui, en fait, ce lieu-là, aujourd'hui, je suis conscient. Alors, je reviens aussi à un truc où... Tout à l'heure, tu disais, oui, mais en fait, parle pas des autres, parle-nous de toi. En fait, c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce lieu-là, ma seule condition vis-à-vis de Karim, c'était, je lui dis, en fait, moi, je n'existe pas. J'ai pas envie d'exister en tant que personne dans ce lieu-là. Parce que pour moi, en fait, ce qui nous tue en tant qu'Algériens, c'est l'ego. C'est le fait de vouloir se montrer, c'est le fait de vouloir s'accaparer quelque chose et le fait de vouloir dire que cette chose nous appartient. Et moi... Bon, ça tue tout le monde, que ce soit algérien, c'est oui, ce qui tue l'être humain, l'ego. En tout cas, moi, je parle de notre société parce que c'était un besoin de créer quelque chose pour que notre société existe dans ce pays-là. Bien sûr, mais tu te rends compte que... Oui, voilà. je suis d'accord avec toi. Je suis donc, d'accord non, avec non, toi. Donc ça veut dire que... Malish... Si, ok, t'es intérieur, belle caca, tu veux t'effacer, mais je veux dire, avec Amine, on tient à te le dire. Enfin, je veux dire, Amine, toi, on va dire, tu consommes beaucoup plus de musique que moi parce que tu es musicien aussi, tu as un autre regard. Enfin, voilà, moi, la musique, peut-être que je la vis juste émotionnellement. Émotionnel. Et toi, tu la vis aussi d'une manière technique, d'une manière beaucoup plus. Tu vois, non, moi, j'ai connu des discussions une fois, j'étais à l'Olivier à Alger. En 2017, où on parlait du Royal Est. Oui. C'est-à-dire que tu discutes avec des gens qui sont musiciens ou pas, ou qui gravitent en tout cas autour des musiciens, qui s'intéressent ou qui jouent en tant qu'amateurs comme moi, et se disent « Putain, Royal Est et tout, j'ai écouté ça, il a fait ci, il a fait ça, le musicien. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu de fabrique. Oui. Parce que c'est un lieu de vie, c'est pas une salle de concert. C'est un lieu de vie, et d'ailleurs, ce qui se passe en side... qui est peut-être qui se passe à côté qui est beaucoup plus intéressant. Et tout et il a ramené un nouveau et du coup il y a des rencontres et moi j'ai vu des gens émerger, il y a des personnalités qui ne sont pas des Algériens entre guillemets mais qui ont complètement épousé la musique qui s'y passe. Ils sont devenus, tu vois, des musiciens qui jouent avec tout le monde, tu vois. Alors, au début c'était un peu difficile. La programmation, parce que quand je faisais un truc algérien, bah, y avait du monde, et quand je faisais des trucs qui étaient vraiment des super trucs d'ailleurs, des trucs de jazz ou de la chanson ou de la musique d'Amérique latine ou machin, y avait pas beaucoup de monde. Et à chaque fois, j'en voulais aux gens, je disais, mais en fait, ce lieu-là, il est fait pour qu'on vienne tout le temps passer les soirées ici, parce que vous allez venir découvrir beaucoup de choses ici. Et pas forcément que la musique algérienne ou la musique marocaine ou tunisienne, tu vois. Ouais, mais tu comprends, Nassim, que la musique jazz et latino, il y a 12 000 lieux dans Paris où on peut l'écouter. Oui. Mais cette musique-là, la musique terna qui nous parle... Mais il n'y avait qu'un seul lieu. Oui, donc ça veut dire que tu les comprends, les gens. Mais il n'y avait qu'un seul lieu. Je le dis très bien, parce que pour le coup, c'est le side de moi... où je sais que je suis sûr de moi là-dessus, c'est dans l'organisation, parce que c'est un métier, c'est quelque chose que j'admire, j'aime beaucoup faire ça. Il n'y a qu'un seul lieu où tu pouvais venir voir un Dafer Youssef, ou voir un Cheikh Sidi Bémol, ou voir une Samira Brahmia assis sur un tapis, et elle te raconte sa musique. Dans d'autres endroits, tu vas voir Samira Brahmia et les gens, ils sont en train de chanter, de sauter dans tous les sens et tout. Et là, non. C'est pour la raison pour laquelle j'avais créé les spectacles qui ne s'appelaient pas concert. Si vous avez la mémoire à ce niveau-là, ça s'appelait rencontre. Ouais, je me souviens. Voilà. Pourquoi ça s'appelait rencontre ? D'une façon, c'était la réelle chose, c'était rencontre avec, parce que tu pouvais discuter avec la personne et qu'elle te racontait sa musique. Mmh. Et c'est ce que j'insistais avec les artistes. Je disais, est-ce que vous pouvez certaines fois vous arrêter, parler un petit peu. Expliquer un peu le morceau. Voilà, expliquer le morceau, comment c'est venu, une petite anecdote, ça fait plaisir et tout. Ouais. Et de deux,
C'est une question administrative. Parce que l'URSSAF. Ben oui, c'est là où on voit que tu as fait des études. Ouais. Sinon, l'URSSAF, si elle vient, elle voit concert, elle va te dire, vous avez une licence d'entrepreneur de spectacle ? Tu dis non, tu te prends une amende, une fermeture administrative. Mais par contre, on a eu le contrôle de l'URSSAF un jour, et on a dit, non, ce n'est pas un concert. Ils ont dit, comment ça ? Des artistes qui jouent, truc. Oui, mais les artistes, c'est nos amis, et tous les gens qui sont là, c'est nos amis. On a juste privatisé la salle et on a fait une rencontre avec des artistes et c'est une soirée privée, quoi. Donc, il est en train de voir un concert, mais il ne peut pas détourner puisque ce n'est annoncé nulle part que c'est un concert. C'est annoncé partout que c'est une rencontre avec un artiste. Donc en fait, c'est là où on veut avoir raison dans le café-concert. Ici à Paris, c'est qu'on peut détourner la loi par la loi elle-même. C'est clair que tu es en train de voir un concert, mais ce n'est pas un concert. Ceci c'est n'est là pas je un dit, concert. Il est devenu vraiment français. Il a court-circuité le système. Le Royal Est existe aujourd'hui. Existe, il aurait pu être fermé au bout de la deuxième année. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était, même s'ils avaient la licence spectacle, c'était vraiment un lieu de rencontre avec des artistes. Oui. Tu sais que il y a des artistes. Moi, le Royal Est, ça m'a permis de les voir dans une autre version d'eux-mêmes. Je me souviens de toi. T'étais toujours Haka derrière la table de mixage où t'étais en train d'organiser les choses, t'étais en train de voir le public, est-ce que les retours étaient bons, est-ce que les musiciens ils sont à l'aise et tout. Et on a vu tout ça grandir. Bon, maintenant le Royal Est, c'est bon, ça a pris son envol, oui, et c'est devenu un lieu de référence qui partout dans le monde. À quel point où mon objectif était atteint, c'était que des gens viennent à une soirée le week-end, ils se disent il y a quoi ce soir, c'est-à-dire il arrive sur place et il découvre, il te demande qu'est-ce qui se passe ce soir. Exactement. C'était l'objectif, que ça devienne un lieu. C'est bon, les gens ils sortent de. C'est de fou. Dedans. Ils font confiance au lieu. C'est ton besoin à toi à la base en tant que musicien, c'est devenu le besoin du public. Et c'est devenu un endroit où on connecte. C'était un endroit où tu sais, je vais donner un exemple. On en parlait, je crois. Moi, je connais des gens, Msakin, qui jouent ou Hakas. Bon, nous, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que ça. On a le badge vétéran. Il y a des gens qui jouent en France. En fait, ils sont un peu perdus dans le sens où ils ont peur un peu. Je préfère que tu parles de ce sujet-là parce que Amine, je sais que c'est toi qui m'en as parlé directement. Tu sais, ces gens qui ont tellement peur de. Soit ils ont peur de déconnecter, soit ils ont peur de rentrer dans une mouvance un peu trop traditionnaliste, si tu veux, qui leur ressemble pas. Oui, en pas. Fait, ce qu'on a. On l'a vécu autrement et nous, en fait, on tourne autour de l'art ou on fait de l'art. Moi, je tourne autour de l'art, toi, tu fais de l'art, Reda aussi. Donc, on extériorise. Mais il faut se dire qu'il y a des personnes, en fait, qui ne. Quand ils arrivent en France, ils sont dans le Karaya ou là, dans leur projet professionnel, dans leur projet de vie. Et à un moment donné, au bout de 6-7 mois, ils se disent, mais en fait, je me positionne comment ? Est-ce que je suis encore algérien ? Est-ce que vous êtes gaoré ? Et le point de raccord qui est le plus facile, c'est généralement ou la musique ou le cinéma. Mm. Bon, on n'a pas encore une production très riche en cinéma, mais en tout cas en musique, il y en a beaucoup à Paris. Mm. Ils se disent, je vais aller voir l'ONB. Donc en fait, ils se précipitent vers l'ONB ou là, vers Gnawa Diffusion ou là, vers Nassim Dendene. Je te parle moi de mon époque avant. Mm-hmm. 2010-2011. Après, il y a eu ta génération, Jamil, etc. Et lui, ils y vont parce qu'ils veulent juste être rassurés et ne pas culpabiliser d'être déconnectés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, mais est-ce que je suis... Du coup, en fait, c'est un rapport à l'Algérie qui fait que je trompe Zahir à Paris ou à Paris. Ils sont tout le temps dans son questionnement. Et en fait, là, le but de l'art aussi et de ta musique... Mm-hmm. C'est pas juste que les gens ils voilà khatram. Ça c'est plus peut-être les Parisiens qui vivent ici depuis 30 ans ou 40 ans. Mais un Algérien, c'est qui capable d'y aller parce qu'il a juste envie d'être rassuré et d'être en sécurité avec des gens qui et
parce que واحد يروح لا غار tu as le lieu jazz qui est à ouais. Corentin Carillo je crois. Il pas les... C'est un Qabaïli d'ailleurs qui exactement. Qui, et tu dis là, il joue des élèves le mercredi soir, jeudi soir du conservatoire de Paris. Il a pas les codes. Mais qu'est-ce que des bars à jazz? Qu'est-ce que les bars à jam jazz fait? Par contre, quelqu'un qui joue du gnawa, bah, ça va lui peut-être rappeler. Ouais. Ou là, qui tourne autour. Et du coup, en fait, c'est sécurisant et ça crée chez lui une espèce de truc de sécurité qui lui permettra de vivre mieux. Oui. Donc en fait, il y a un côté et tu sais que hyper, ça l'ancre quelque bien part. Bien sûr. Quand même. Tu vois c'est, ce que c'était un cocon. Moi, c'était on peut utiliser. Oui. Elle est à la mode un peu l'expression safe space un peu. Bah ouais. C'était. Tu sais mieux que ça. When des fois tu vis des choses. Je sais pas par exemple. Je sais pas. Des fois, bon, ça t'arrive. Donc tu sais, tu t'arrives dans un pays où tout est permis, tu te poses même plus des questions par rapport, je sais pas, le regard des gens chez la route. Tu sais, tu peux te poser dans une terrasse, tu prends une bière tranquille, il y a pas de je me guette à la feu d'eau. Et moi je sais qu'encore une fois je parle de moi. Je sais que parfois j'ai traîné, par exemple tellement khaft mehdik ta je me déconnecte de ma culture. J'ai traîné dans des milieux un peu très algériens et tout. Mais par contre, quand je prenais une bière, on me faisait la remarque. Ouais. Et en fait, on m'a tellement fait la remarque que j'ai fait un peu une sorte de rejet. Tu vois ? Faut aller pas la prendre pendant Ramadan en même temps. Donc. Franchement, tu sais, mais toi, tu sais que tu m'as mis les doutes. Tu m'as mis le doute parce que je fais partie de ces gens hyper hypocrites les qui j'ai Ramadan nous les assidus même en Hakilek nous les amène rien à la belle il n'arrive pas ben oui je n'ai pas envie de dévoiler ta vie privée juste là un truc une fois pas Ramadan ouais tu faisais un spectacle j'ai dû entailler le et du coup non Khalid c'est une méditation pour moi voilà exactement et c'est bien et c'est en fait non attends, je finis juste le propos et du coup donc qui que tu as quand déconnecté ayez du coup dorme avec des Algériens bon maintenant ils arrêtent t'as comme âge mais allez me faire des remarques en fait ça m'a tellement saoulé que j'ai arrêté de traîner avec des Algériens oui. J'ai commencé à traîner juste pour avoir cette liberté avec les Kabyles. et ben justement, c'est que quand je suis allé au Royal Est, et ben en fait, j'ai trouvé cette liberté. Tu vois, je pouvais autant être connecté avec les miens oui. Et prendre ma bière tranquillement. Rabane meqoud aliya. C'est exactement le principe du lieu. Je sais pas si tu te rends compte. Ana des fois n'hki lek. Et tu as le droit aussi de prendre un iced tea rabane meqoud aliya. Exactement. Des fois j'intervenais sur des choses plus loin que le spectacle hein. C'est-à-dire faut savoir tout à l'heure j'étais en train de raconter ça à un ami. On était au téléphone et je racontais un petit peu comment ça se passait. Et en fait quand je recevais les artistes avant de les installer je balayais la scène. Donc il y a plusieurs artistes qui m'ont vu avec un balai en main, en train de balayer la scène pour qu'ils soient à l'aise sur scène. Oui, parce que pour moi, la scène, c'est un endroit sacré. C'est un endroit où quand on monte, il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit le minimum des choses. On sait ce que c'est que le Royal Est. C'est un endroit bordélique, à notre image. Et c'est ce qui plaît d'ailleurs, parce que notre image, elle est bordélique. Il nous faut quelque chose de bordélique. Et c'est ce qui marche, parce que si c'était un endroit très propre, très soigné, très truc, les gens ne viendront pas. Parce que c'est ce qui plaît d'ailleurs dans cette philosophie de ce lieu-là. Donc, je nettoyais la scène, je faisais les balances. Avant les spectacles, je présentais les artistes, ça veut dire, et je disais souvent cette phrase-là où je disais au public, vous êtes venu voir tel artiste, machin, un truc, et puis on va simuler un début de spectacle ensemble, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour machin, et puis commencer sous les applaudissements, et c'est toujours réconfortant en tant qu'artiste sur scène de commencer sous les applaudissements, et parce que je comprends, je sais ce que oui, c'est. Donc les on codes. Installe, on sait que ce n'est pas une scène où les gens ont acheté des billets pour rentrer, s'installer, machin. Et puis ouverture du rideau, mais on peut toujours créer cette illusion
d'ouverture de rideau parce que je vais intervenir et je vais solliciter les gens pour simuler un début de spectacle et tout. Oui, et je trouvais que c'était bien. Et c'était, à chaque fois, ça ramenait quelque chose. Et les artistes étaient confortablement installés pour jouer. Et il faut savoir qu'un artiste qui est confortable, c'est un artiste qui va bien jouer. Et un artiste qui va bien jouer, ben, tu as un public satisfait derrière et tout. Donc, c'était... essayer de prendre soin des deux côtés, que ce soit de l'artiste ou du public. Et dans le public, pourquoi j'intervenais sur des trucs qui n'étaient pas forcément de l'ordre du spectacle. En Algérie, on sait très bien, voilà, y a des, chacun sa raison pour laquelle il vient au spectacle. Il y en a qui viennent pour s'amuser, il y en a qui viennent pour danser, il y en a qui viennent pour boire un verre, et il y en a qui viennent draguer. Il y en a qui ont de la drague un peu forcée. Ça veut dire, je voyais des mecs qui venaient, ils collaient la nana derrière comme ça, un truc et tout. Puis j'allais taper le dos, je dis, mec, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai qu'au début on voyait un peu des ouais, choses comme ça. Exactement. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça a un peu ça n'existe quasiment plus la Royal. C'est vrai que c'est ça qui est fort, c'est que aussi t'as limite il a éduqué les gens à une certaine début, t'es obligé. Forme de début, spectacle. T'es obligé parce bien que sûr. C'était difficile au fait. Oui, tu sais que moi je connais des gens qui par exemple, surtout des filles essentiellement, que quand tu lui dis par exemple un événement par exemple tawana soirée, kayn li bnat li khafou. Galek wé lo kan tawana ou ga parce que voilà, tu sais il y a une crainte, il y a le dé. Bien sûr. La ghalba ki khayfa wahdi yhukk wahdi ylsq fik wahdi kalik, tu vois. Et c'est vrai que le royaliste au début, il avait cette réputation un peu. Oui. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça a complètement changé. C'est good maintenant parce que Nas et Trabao quand même, ils savent que c'est un endroit. Et surtout, wesh kout hab nfahem Nas bli had l'endroit ta'na. C'est-à-dire c'est à nous d'en prendre soin. Voilà, nta rak tkhsar. Khatou ma kan hatta wahed, on n'a plus besoin d'être ici au fait. Donc laisse l'endroit. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui se sont rencontrés au Royal Est, qui sont même mariés j'imagine. Aujourd'hui. Il y a des gosses, il y a des enfants du Royal Est. Il y a Ktboli, tu vois. Genre c'est des gens qui se sont rencontrés là-bas et des gens qui ont été en couple. C'est une histoire hyper importante, en fait, en train de mettre le voile sur... Anna, je dis, parce que souvent, je le dis, en fait, Hadak, le lieu, il a toujours été... même Balak, les auditeurs, les hommes Fulblad, Balak, ils ne sont pas conscients de Wachéhna, Adna, le quotidien. Il fallait un endroit où... tu sors à l'improviste. Par exemple, un aïe, à la belle, il y a un podcast, je vais trouver des gens. Des fois, on va au hasard, vraiment. On va lundi, eh ben, je vais trouver Timo, je vais trouver Bilal Chenni, je vais trouver des gens que je connais, en fait, avec qui je partage, et puis on passe un moment, on discute, et puis c'est devenu un autre endroit. Pareil, ça, c'est le côté soirée. Ouais. Je parle aussi du côté journée. Oui, moi, sûr. Je suis musicien. J'ai répété mon nouvel album, je l'ai répété entièrement là-bas. Ouais. Le matin, à 10h du matin, où j'y vais. Oui. Tu as que Omar, le frère de... Parce que les auditeurs qui nous écoutent, au Royal Est, il y a une scène. Mais au sous-sol, récemment, il y a eu des travaux. C'est des studios. Ouais. C'est devenu un studio où on peut répéter, où on peut faire des mini-concerts, on peut tester sa musique. Et c'est important parce que il faut qu'on puisse tester, il faut qu'on puisse fabriquer un atelier. Pour les gens qui nous écoutent, la musique, c'est comme tout autre process créatif. Laisse-moi qu'un atelier, tu rencontres des gens différents. Laisse-moi des Brésiliens, ils disent ah oui, mais en fait, tu mets la boîte, le brewa, les banades, ainsi de suite, mais il est un peu différent. Exactement. Voilà. C'est un endroit qui est devenu un endroit. Anna, aujourd'hui, je fais plein de sessions avec des artistes où, c'est-à-dire, je sais que, voilà, on fait une session, ok, j'ai une violoniste paraguayenne, Andrea, par exemple, on va faire une session ensemble, ben, on va se retrouver au Royal Est et on fait notre répète, on ne dérange personne, on est en journée, on est en bas. Et pour revenir à Karim, parce que tu nous as dit que Karim, donc la rencontre, lui, il adore la musique, mais il en est pour beaucoup aussi. Mais en fait, c'est surtout lui. Ouais. En fait. Parce que Anna, j'ai été le souffle, un peu la fougue de jeunesse qui lui a ramené cette folie. Mais c'est surtout lui qui m'a suivi. Parce que c'est lui qui investissait. Quand je lui disais, par exemple, Makacha Al-Balouf au début, tous les artistes, quand ils se déplacent, un batteur, il ne ramène pas sa batterie. Et il faut une batterie sur place, quoi. Donc, Chéline a batterie, Chéline a un ampli basse, Chéline a un ampli guitare, un truc. Donc, c'est comme un grand frère
Wana, je l'ai orienté. Et au moment où il avait plus besoin de moi, bah, aujourd'hui, il a plus besoin de moi, Karim. Il connaît tout. Il connaît tout jusqu'au point, même aujourd'hui, il fait des captations. C'est ouais. lui qui réalise les. C'est vrai que vous pouvez voir, je crois qu'on peut voir tous les concerts en les live. Les concerts en live au Royal Est Facebook. Et tout. Ouais. Et c'est lui qui est derrière les manettes pour le truc. Parce que, sa passion, elle s'est étendue. Parce que derrière tout ça, à la base, c'est quelqu'un qui aime l'artiste, qui aime ouais. la culture. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux aider des artistes financièrement. Dans tous les aspects, hein. Je l'ai vu de mes propres yeux aider des artistes et tout, y compris moi d'ailleurs. Hein. D'accord. Parce qu'à chaque album, machin, il se passe des trucs, t'as un accident financier, machin, tac, bam, il intervient et puis il est là pour rallonger. Non, mais c'est pour hyper important ces histoires, hein. Franchement, moi voilà. je suis hyper content que tu parles de ça, j'étais pas au courant, pourtant je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la musique. C'est quelqu'un qui fait partie de la musique algérienne pour moi. Bah, c'est important de le dire vraiment merci, parce Karim. Que parce que il est pas il est oui, pas il est pas musicien envie. Il on est pas musicien on va l'inviter Karim voilà il est tu vas l'inviter il aime pas il est pas voilà il est pas très mais il peut il a des choses à dire c'est quelqu'un non qui... tu sais quoi on va pas l'inviter on va aller chez lui on va enregistrer exactement. Le podcast le Tahet studio exactement bah. Exactement ouais. C'est ce qu'il faut faire avec lui au fait Karim il fait partie de la musique algérienne aujourd'hui vraiment il fait partie oui je suis il fait partie le roi même s'il n'est pas musicien il fait partie ouais. parce qu'au fait il a donné à tout le monde il a donné la chance à tout le monde tout le c'est monde vrai. A répété chez lui tout le monde a joué chez lui sortez-moi n'importe quel artiste n'importe quel nom Gazev là il a testé au Royal Est ouais, il a joué au Royal Est où il a répété au Royal Est où il a c'est un endroit qui est devenu le fief de la musique algérienne et pas que et pas que parce que maintenant il y a tunisienne et tout il y a même des, du jazz après qui s'est installé tout le monde est passé là-bas donc c'est un endroit vraiment très très ouvert c'est-à-dire à tel point où tu vois Mélenchon par exemple il fait ses meetings là-bas avec ouais j'ai entendu parler de ça à un moment donné ouais ses réunions il les fait là-bas donc c'est un endroit un peu de gauche de gauche, il y a des meetings aussi. C'est sûr que c'est pas l'extrême droite qui va venir. Il y a un mec sur place qui s'appelle Yugursen que j'admire. C'est un gars super. Qui alors lui, il fait un truc bien spécifique et je trouve que c'est super. Les nouveaux étudiants qui arrivent, oui. il leur fait une masterclass, plusieurs sessions dans l'année de la CAF. La sécurité sociale, le truc, il y a Aounoum Gal les papiers. Ça, c'est très bon pour les gens qui nous écoutent parce que je pense qu'on a énormément de. Exactement. Donc là-bas, il y a un mec qui s'appelle Yugursen, Royal Est, il faut prendre contact avec. Et au fait, ils font des masterclass où ils te montrent qu'est-ce qu'il faut faire. Les APL, machin, comment monter le dossier. Ils te décodent le système parce que moi, je sais que quand je suis arrivé en France, j'aurais souhaité qu'une personne me. Juste on aura montre. Tous aimé. Juste personne. Me montre le chemin. Il relie, tiens, en fait, il faut que tu fasses les APL. Il faut que tu fasses ces trucs. On a marqué Chalabel et Bga, toi, là. Bah ouais, Gamache Chalabel. Ça me rappelle. Tu sais, on est dans la confession. On est dans le. Tu sais, ça me rappelle ma petite sœur quand elle est venue. Tu sais, j'étais un peu en mode vengeance. Tu sais, je ne voulais pas du tout qu'elle vive les mêmes galères qu'elle suit les plâtres. Tu sais quoi? Tellement j'étais à fond pour que tout soit nickel. À un moment donné. Je l'ai emmené pour faire des courses. On était à Auchan, Kounent Michiaou. Je ne me suis pas rendu compte. J'étais en train de marcher derrière elle avec les bras, les mains derrière le dos. Et là, je me suis dit, ah ouais, je suis devenu un père en fait. Je ne suis plus un grand frère, je suis devenu un père. J'étais content. Un mois et demi, tout était réglé. Loyer, gta, sécurité sociale, mutuelle, gta, caf. Parce que, en fait. Carte vitale. J'avais pas envie qu'elle. Tu sais, c'est une souffrance qu'on souhaite à personne. Ouais. Et qui est dure, tu vois, genre... Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu es devant un truc et tu te dis... Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, moi, que je trouve dommage. C'est que qui, par exemple, même qui ne dort le bled, qui te dit le gorba, tu sais, on parle que du côté matériel. J'ai l'impression que le gorba, elle est juste matérielle. Les gens savent que je n'ai rien. Mais tu sais, on ne parle jamais de cette souffrance. Hey. Tu sais, tu parles jamais de ce besoin d'avoir un lieu. Tu vois, là, tout à l'heure, tu m'as dit, on n'a pas de médias comme ça, où tu vois.
Bah, nous, c'est un peu l'objectif, tu sais. On s'est dit, Amine, consommer tellement le podcast. Et du coup, on écoute des trucs. C'est une idée qui remonte à très loin, qui remontait à 2018. On s'est toujours intéressé au processus créatif. Au départ, on voulait parler qu'avec des artistes. Au départ, mais on s'est dit, en fait, finalement, c'est tout le monde qui. Il a expliqué pourquoi. C'est parce qu'il a eu une discussion avec la Royal Est qui a provoqué. Oui, je me suis rendu compte que. Je me suis rendu compte que, comme tu as dit, comme en plus, on est un peu des Algériens, on est ici, on vit ici, on n'est pas vraiment chez nous, donc ça veut dire on est parti, mais on ne veut pas se priver d'une partie de nous, donc on a juste envie de continuer à vivre normalement, donc c'est très très complexe, et du coup, psychologiquement et émotionnellement, et on n'a jamais l'occasion d'en parler. Enfin, oui, oui, bien sûr, on n'a jamais l'occasion d'en parler, et moi, le nombre de fois où, par exemple, des interviews écrites ou vidéos, audio tag. En fait, on ne lui laisse pas dire ce qu'il veut. Je voulais écouter l'histoire de Royal S. Je veux écouter tout à l'heure, tu nous as parlé de tes albums, de comment tu conçois. C'est important, ce genre de choses-là. C'est hyper important. Tu sais, tout à l'heure, il y a une nana qui fait un peu la prog, la recherche, le cast pour cette émission-là de Chorouk. Oui. Et qui m'appelle et me dit « Oui, je peux avoir le numéro de Sidi Bémol ?» Je dis « Bah, déjà, je ne peux pas te le donner comme ça, déjà. » Tu vois, déjà, on ne demande pas les choses comme ça. Bref, en tout cas. Et après, bon, on enchaîne le truc, on se dit « Bon, je lui dis « Mais est-ce que vous contactez les bonnes personnes ?» Parce que vous parlez de la diaspora algérienne, mais la diaspora algérienne, c'est pas... Je suis désolé, mais la diaspora algérienne, c'est pas les rappeurs que j'ai vus, c'est pas un joueur de foot, c'est pas ça la diaspora algérienne. Non, la diaspora algérienne, faut aller dans le créatif, le terroir, le truc vraiment les gens. C'est les gens qui viennent au Royal Est. Réellement. Non, mais c'est vrai. Pas forcément. Mais les gens qui sont venus de là-bas et qui ont grimpé les échelons, ils sont arrivés à quelque chose. Je suis d'accord qu'il y ait une diversité. Bien sûr, il faut qu'il y ait des Moundir, il faut qu'il y ait des trucs. Même si Moundir... Tu sais, les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas du tout le contexte de cette conversation-là. Tu as fait une émission il n'y a pas longtemps. Oui. Où, comme invité, il y avait... Il y avait Moundir, il y avait Nahir, il y avait Doria. Voilà, et je ne connaissais pas ni Nahir, ni Doria. Même si c'est des artistes super, qui déchirent et tout, mais je ne les connaissais pas. C'était l'occasion de les connaître. C'était l'occasion de les connaître. Mais comme tu as dit, il y avait Moundir. Mais je n'appelle pas ça la diaspora algérienne en France. La diaspora algérienne en France, c'est la diaspora algérienne qui a migré d'Algérie et qui est arrivée en Algérie. C'est-à-dire, attends, on va pas déjà... Non seulement on n'a pas de médias en France, et que même en France, quand il s'agit de faire une émission de diaspora algérienne, on va convier des gens qui n'ont pas besoin forcément de ça, en fait. Parce que de toute façon... Ils ont leurs propres médias. Ils ont leurs propres médias, ils ont leurs propres trucs. Attention, ce n'est pas... Ça n'a aucun rapport avec la comment dire la non le fait de tu veux dire le fait de l'artistique ou quoi, oui, quoi que ce soit, oui, j'ai compris. Ça n'a rien à voir, en fait. Je parle juste de quelque chose, de l'urgence de l'artiste algérien à l'extérieur de l'Algérie, parce que s'il est parti, c'est pour faire de l'art. Parce que moi franchement, personnellement, entre nous, j'aurais aimé être en Algérie, pratiquer mon art sous le soleil, la mer. Je vais tous les week-ends faire de la pêche. Je vis mon Algérie comme je l'aime et tout. J'aurais aimé vivre cette Algérie comme ça. Je serais resté sur place. Si je suis parti, c'est pour ça, dans ma bio, il y avait le terme exilé. Oui. Elle m'a dit, exilé, qu'est-ce que tu as fait au bled ? J'ai rien fait, pourquoi ? Elle me fait, mais t'as employé le terme exilé. Je dis oui, mais exilé, ça veut pas dire forcément politique, tu vois. Attends, j'ai le moral à dire. Mais en fait, exilé, dans la vraie définition, c'est quelqu'un qui ne peut plus revenir. C'est que Hnaya, on a migré. C'est quelqu'un qui est parti faire quelque... Parce qu'elle m'a mis le doute, du coup, je suis allé chercher la définition du truc. Donc, du coup, je suis allé voir. Oui, bah oui. Je lui ai dit, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire à l'endroit où il pouvait le faire. Il devait le faire, il est parti le faire ailleurs. Donc il s'est exilé pour faire quelque chose. Donc moi, je me suis exilé pour faire de la musique. Et ben justement, c'est ça qui est intéressant, parce que
je sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas quitté l'Algérie, mais je suis parti pour la retrouver. Et c'est ce que je retrouve un peu. Et ben, c'est Royal Est. Exactement comme toi. Je retrouve moi, l'Algérie. Je vis mon Algérie à moi, comme j'ai envie de la voir, cette Algérie. Je la vis comme ça, à travers un podcast avec des copains, où je dis ce que je veux. Voilà. Je prends ma guitare et je crie quelque chose. Voilà, où il y a du vin de Sbarra, où il y a des trucs et tout. Vin et de c'est Sbarra. Une Algérie, c'est une Algérie comme tous les Algériens, ils voudraient l'avoir comme ça. Oulah, je te jure. Que même Wahed Boulaya, il veut l'avoir comme ça. Voilà. Oulah, il a même Boulaya, il veut l'avoir comme ça. Mais Nassim, je vais te poser une question. Mais pourquoi cette Algérie, on ne peut pas la vivre en Algérie? Cette Algérie, on ne peut pas la vivre en Algérie. Mais pour toi, selon toi. Selon Nassim Dendane. Tarfa alash. Parce qu'à chaque fois c'est que je suis en train de me dire. Tu te rends compte. Donc, un œuf bledi, flimsen, quand on a d'arbel a, il dit quoi? Il dit, olk hada a, oui, oui, je suis bien. Ah non, flimsen, peut-être, géographiquement, je suis dans mon territoire, tu vois, je peux parler ce langage-là. Au-delà de ça, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, flimsen, Wallah, il est sérieux, c'est incroyable, c'est une maladie. Tu veux faire n'importe quoi, là, même nous, je vais juste là. Donc en fait il y a pas de négociation, il y a pas de choses à faire, ce n'est pas flexible. Tu vois, dernièrement on m'a raconté des copains là-bas des nouvelles. Personne ne jouait les musiciens. Oui, mais on a connu une vague après le Covid de plein de musiciens qui sont venus. Ils jouaient pas. Al-Kalash, on joue pas. Fouzi, qui est un super copain, tu vois, là-bas, qui a l'habitude de ses soirées. Fouzi. Baby Blues. Oui, bah. Ouais, ouais. Voilà, c'est Fouzi, on te salue quand tu viens la prochaine fois à Paris. Baby Blues, il dit Gissarmak, il a des choses à te raconter. Ah, bah ouais, on le sait. Hein. Et d'ailleurs, il est de Sabara. C'est vrai. Comment le monde se connaît. Voilà, je pense que. Voilà, parce qu'on veut absolument qu'il n'y ait pas de vidéo pour qu'on se lâche complètement. On a ouvert une petite bouteille de coteau de Tlemcen, de Sabara. Donc, on a d'ailleurs une aléa. Là, chauffe. En tout cas, merci, collègue. Mais je suis Arfounès. Placement de produit. Fouzi, c'est-à-dire, il me racontait, il me disait, au fait, là, on ne fait pas de spectacle. On ne prend pas le risque. C'était tous les hôtels qui répondaient ça. On ne prend pas le risque. Le risque de quoi? Il n'y a pas. De faire un concert, voilà. C'est tout. Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le risque de quoi? Non, on sait pas, mais on prend pas le risque. Ouais, ouais. Donc c'était un peu ça. Mon frère, par exemple, il travaille dans le Banca, tu vois. Quand on a une mission, il a dit qu'il était à Oran, dans l'ancien Sheraton. J'ai tout indiqué, l'ancien Sheraton. Oui, bien sûr. Oh, ouais. L'ancien Sheraton, il a sorti un moment, chef, il y a une piscine, ma'amra, bien prête, tu vois, genre, happy home. Non, mais tu peux pas nager. Pourquoi? Je suis résident ici, je veux nager. Non, interdit. Donc en fait, c'est le système qui fait que كتبتها في مرسولة مدير ما يغامرش عساس يحكم بتفرعين. Le مدير ما يغامرش. En fait, le dirigeant, il ne prend pas de risque. Ou l'assas, c'est lui qui hukme le terrain, tu vois. Tu n'as même pas besoin de tarjem, les gens fahment. Non, mais c'est intéressant tellement, je m'allais te tarjem pour les interviews avec le goût. T'inquiète pas, خويا, رانا بيناتنا. Hukme pur, خليها. Non, mais c'est vrai. Non, mais عندك الحق. Quand tu vois ce truc-là, où tu dis, au fait, في البلاد, j'aimerais bien faire. Ah non, j'aimerais bien. Ou là, demain,
Chemise ça, l'ouvrir, d'un choix. Un stand-up comédie pendant la semaine, c'est un club de jazz, c'est un club de musique. Mais il y a des musiciens. Il y a beaucoup de musiciens. Mais tu crois que mais c'est notre rêve à tous. Mais tu sais très bien que. Tu sais très bien bah, que. C'est la question qu'a posé le mec qui a connu Reda. Ouais, là, c'est dit. Mais ça, non. Parce qu'en fait, il a compris qu'on parlait en arabe, qu'on chantait en arabe, qu'on débattait de sujets à l'Adzaïr. Bon, sauf le chef du lieu, c'est pas un arabe, c'est un kabyle. Oui, mais même c'est ça, ces débats existent, fait Zahir. Il s'est dit, mais en fait, le mec, il a eu un choc parce que je crois que c'est un mec qui venait d'arriver. Qui non, était, c'est qui lui, était, en fait, lui, il est médecin, il est réanimateur. Il est réanimateur, ouais. Et en fait, il s'intéresse beaucoup à la psychiatrie, en fait. Et du coup, donc en fait, il essaye de. Enfin, on a longtemps discuté de voir un peu le Rorba un peu avec un autre angle et tout. Ouais. Et lui, en fait, il vit à Londres. Et du coup, il débarque à Paname. Et du coup, bon, il voit un peu. Voilà, les Algériens, on est beaucoup plus organisés, je pense, à Paris qu'à Londres. Qu'à Londres donc, ouais. Même si, bon, il y a une communauté à Londres quand même qui est assez conséquente. Mais ouais. Bon, il faut Royal East Belek. Voilà. Real East. Quoique, il est devant le Thalys. Hein. Voilà. The King East. The King East, voilà. Voilà. Et en fait, du coup, donc, c'est pour ça qu'il s'intéressait à ça. Et on se posait la question, mais c'est vrai que c'est... On est... Après, bon, peut-être que moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Nassim, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de cette vie-là, parce que Heddy, la vie, elle ne correspond pas à leurs valeurs, à leurs croyances religieuses, au projet de société, le Rambarini Direw. Quand des gens les voient, le Rambarini Ishou, dans un certain type de société, ou Maram, je serai sans mettre soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que. D'ailleurs, il vit à Londres, tout souvent, il dit on est des Algériens de niche. Tu vois? Et moi, je sais pas en fait. Des fois, je veux bien croire ce que tu dis, les gars, les Algériens, ils aimeraient avoir cette vie-là. Mais j'ai pas vraiment l'impression. Je me dis que si ça se passe pas, c'est un projet de société qui correspond pas. En tout cas, avoir un Royal East bis à Tlemcen ou là. On a essayé avec Karim. Ouais. On a essayé un Royal East. Algérien. Royal East Tlemcen. Même pas Tlemcen, même Alger. Grande ville. Alger, grande ville, Royal East. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des interdictions dans tous les sens. Pour faire un spectacle, il faut des autorisations. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est pas dans le projet de société. Ouais. Niveau société, c'est pas possible parce que déjà, bon, faut avoir un truc réaliste, c'est-à-dire des gens qui nous écoutent, qui soient de l'autre rive ou de cette rive. Faire un club de musique où il n'y a pas d'alcool, ça ne fonctionne pas économiquement. Moi, oui. je suis membre fondateur du Royal East, je sais de quoi je parle. Si c'est un club de musique où on vient prendre un café, un thé et regarder un spectacle gratuit, ça ne fonctionne pas. Si les spectacles sont gratuits au Royal East, c'est parce que les gens viennent consommer de la nourriture, viennent trucs. On y tenait dès le départ de faire un club. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire des entrées payantes au Royal East, parce que la musique, d'abord, il faut qu'elle soit accessible. Oui. C'est une politique culturelle de tendre la main aux personnes qui n'ont pas accès à la musique, en fait. Ouais. Parce que faut savoir que moi, je le vois. C'est une vérité absolue. Quand je joue au Royal East, et quand je joue à la Manufacture Chanson ou au studio L'Ermitage et tout, je ne vois que quelques têtes qui viennent au Royal East, alors que le Royal East, c'est rempli quand je joue, c'est rempli. Mais quand je joue avec un spectacle payant, je n'ai que quelques têtes qui sont là, qui ont payé leur billet pour venir. Le reste ne sont pas là. Parce qu'il y a une population... qui ne peut pas se permettre 10 euros, 15 euros. Ce n'est pas se permettre, en fait. Ça vient de beaucoup plus loin que ça. C'est culturel peut-être. Voilà, exactement. C'est culturel. Et mon père, il m'avait parlé de ça et j'ai trouvé qu'il avait raison dans ce truc-là. Allez, au fait, c'est une culture qui vient de très, très loin. Peut-être que tu n'as pas assisté à ça, mais il m'a dit à l'époque, quand on était jeune, on était indépendant, l'Algérie s'est un peu associée aux Russes. Oui. Donc, système communiste. L'Algérie, c'est un pays partiellement communiste oui, oui. Dans sa réflexion.
Et c'est juste des communistes musulmans. Donc, j'attends. Ouais. Ça existe, mais voilà, c'est, on a créé une forme de communisme. En, en tout cas, si on veut jouir d'une création algérienne, c'est le communisme musulman. Et en fait, à l'époque, il y avait des. Mon père, il me disait, pour 70 centimes, on achetait un carton de livres. Rempli de livres pour rien du tout. On pouvait aller au théâtre et regarder le ballet russe qui venait, 120 comédiens qui venaient défiler devant. Grandiose. gratos. Truc. On avait la Lada, la voiture Lada. Qui n'a pas eu une Lada en Zastava, Algérie même. Zastava. Qui n'a pas eu une Zastava? Gafou Toufihel Perm. Exactement. Tu vois, ouais. Donc, la mentalité était arrivée en Algérie. Ouais. Donc, l'Algérien a pris l'habitude de ne pas payer l'hôpital, de ne pas payer les études, de ne pas payer le spectacle, de ne pas payer. Il ne paye pas ce qui est vital dans la société. Oui. La culture, payer un spectacle, ce n'est pas vital pour lui. Oui. Les gens qui payent un spectacle pour aller voir Dendana ou voir Reda Sederi ou voir truc et tout, c'est des gens qui sont au-delà de la problématique et qui ont les moyens d'aller en concert. Ouais. Il y a des Algériens qui n'ont pas l'habitude de payer un spectacle. Je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est très simpliste ce que tu dis. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui font énormément de sacrifices par exemple la bouffe. Pour aller en voyage ou en concert. Ou pour investir dans le culturel. Oui. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que. Mais c'est une niche. En fait, oui. Ok. Oui. C'est une niche. Mais c'est pas pour autant qu'on doit la négliger. Bien au contraire. C'est une niche qu'on doit mettre en avant. Tu sais pourquoi? Parce que cette niche, c'est la nôtre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Cette niche, c'est la nôtre. Cette niche, même si, tu sais quoi, même si on est quatre, mais on existe. Cette niche, elle est silencieuse. Cette niche, c'est pour ça que des fois, je te taquine ou je dis, les gens. Est-ce qu'on peut capitaliser sur le positif? Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce que tu as fait pour Royal Est parce que quand il y a des gens, tu sais quoi? Déjà, quand il y a 10 personnes au billet, mais si ils voient que tu ne connais pas leur vie, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Peut-être, tu sais quoi? Peut-être que ils ont fraudé le métro juste pour venir te voir en spectacle. Ça, tu ne le sais pas. Ben peut-être qu'il y a des gens qui se battent comme ça. C'est l'histoire de Royalès. Même nous, on ne savait pas pourtant dans l'autre thème. Le Royalès, pour le coup, c'est des concerts gratuits. Des concerts gratuits. Bien sûr. Ces gens-là, quand je fais des concerts à la Manufacture Chanson, là, dans le 11e, par exemple, où c'est entrée payante, quand ils voient entrée payante, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, c'est entrée payante. Bah, je vais attendre un mois et je vais le revoir au Royalès, tu vois. C'est... Justement, Amel Kalesh, qui m'a goûté, on n'a pas aussi un média pour nous parler de ce sujet. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent. Voilà. Nassim, le truc le plus important, pourquoi on s'est intéressé au podcast avec Aleda? Parce qu'on aime les histoires. Et c'est l'histoire... عندنا 30 سنة 40 سنة ما تكتبتش ما نعرفو من جا علاش رينا راي لا في رينا راي باردون شوف اسمح لي je te coupe des fois il y a des gens qui font partie de la niche intellectuel réalisateur machin qu'on connaît c'est pas forcément quel les maqarish ou il fait partie de la niche ça n'a rien à voir avec le mustawa le safafi je parle des gens qu'on connaît tu vois il parle d'une idée qu'on côtoie que qu'on connaît tu vois bien sûr par exemple Reda tiens je vais jouer prochaine semaine à tel endroit truc et tout ok moi il y a des gens je t'assure ça fait peut-être des années. À chaque fois, tu fais des petits messages. Tu dis, tiens, je vais jouer à tel endroit. Juste. Si t'es dispo, viens, un truc. Juste, à chaque événement, ils ne sont pas dispo. Et bizarrement, je les croise dans tous les événements populaires, genre Gnawa Diffusion, l'ONB, genre truc et tout. Ouais. Bizarrement, ils sont dispo pour ces événements-là. Oui, c'est pas un sujet intéressant. Là, on est jusqu'au bout. Donc en fait, quand tu les vois, sérieusement, la dernière fois j'ai joué, il y avait une des personnes comme ça, Hagdal, écoute, je la croisais dans plein d'événements, elle était venue à mon concert. J'ai pris une claque. Je t'ai découvert.
putain, t'as plein de tubes, t'as plein de trucs qui déchirent dans ton spectacle et tout. Et c'est vrai qu'on avait bien joué, tu vois. Ouais. C'était vraiment un spectacle bien, bien foutu. Tu parles du dernier Royal Est. Manufacture Chanson. Ah, c'était encore un spectacle vraiment successful. Tu vois, genre, c'était vraiment super cool et tout. Génial. Et j'ai eu des super retours sur ce spectacle-là et tout. Et en fait, la personne, elle est venue, elle m'a dit, mais putain, t'as plein de trucs super dans ton spectacle et tout, tu vois. Pourquoi ? Hena, la culture tana, musicale en tout cas, on est des suiveurs. On n'est pas des... On n'est pas des... Non, sérieux. On n'est pas des innovateurs. Vrai. Non, je te dis en fait, pourquoi. Tu généralises. Je te dis pourquoi. Franchement, Nassim, je suis désolé. Je te dis pourquoi. Laisse-moi te dire pourquoi. Jusqu'au bout. Ou après, donne-moi ton avis. Hena, c'est une expérience que je vis depuis... 15 ans maintenant, ouais. 10 ans avec Dendana, 15 ans avec la musique en général, tu vois. Ouais. Ça fait 15 ans que je vis cette expérience-là. Le public, tu sais, il y a une phrase de Gustave Le Bon, un mec qui avait écrit un livre autour de la psychologie de la foule, et j'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. Il dit le QI d'une foule, c'est simple pour le calculer. Tu prends la personne la plus intelligente, et tu divises son QI par le nombre de personnes qui sont dans la foule. C'est ça le QI d'une foule. Donc le QI d'une foule, c'est pratiquement rien. La foule, elle suit la foule. C'est un mouvement de foule. C'est-à-dire quand on a quelque chose... Demain, si je fais un truc, machin, et qu'il y a, il y a 150 personnes qui disent « Tiens, ça c'est mortel, machin, truc », et ben t'en as 1500 personnes qui vont dire « Ça c'est mortel » et tout. Tu vois, et c'est ce qui se passe pour des mouvements de musique, tu vois. C'est parfois même où c'est surprenant, c'est étonnant. C'est-à-dire, quand on écoute, on se dit, mais... Ouais, bien sûr, qui m'a dit, je vais voir la chaîne, dire la chaîne. Même si je vais voir la chaîne, on ne sait jamais. Exactement. Soit Rachir, soit Mchina Lavi. Ça, c'est culturel. Et c'est une puissance, c'est quelque chose qui peut être en ta faveur, et c'est quelque chose qui peut être contre toi, au fait. Donc, moi, je te dis, j'ai fait de la musique depuis 10 ans, j'ai fait 4 albums. Je sais pas, hein, mais à mon avis, hein, sortez-moi un seul artiste algérien qui, en 10 ans, a fait 4 albums. Non, Nassim. Dans la musique algérienne. C'est-à-dire, dans la musique algérienne, On veut pas rentrer dans une comparaison. Ce n'est pas une compétition. C'est pour ça que je te dis, c'est une course de fond et non pas un sprint. Oui, mais moi, ce que j'essaye de te dire, c'est que mettre tous les Algériens dans le même sac, c'est pas du tout ce qu'on veut. Moi, j'essaye de te le dire comme quoi, si on a fait ce podcast-là, c'est justement pour sortir de cette un peu chape de plomb collectiviste. Win toujours dit qu'on est haka, khas ndiru haka. En fait, le truc, c'est que la raison pour laquelle, des fois, toi, tu galères à défendre ta musique, c'est justement à cause de hadl aqliya. Là, هذه ماشي موسيقى جزائريه خويا موسيقى جزائريه التراث donc ça veut dire que si là هذه العقليه elle nous a empêché d'innover et d'améliorer et de progresser et de faire connaître notre art et notre créativité dans le monde entier, je n'ai pas envie que tu aies le même discours. En fait le truc c'est que Nassim, ton observation elle est juste. Mais l'analyse qui est derrière, il y a des biais cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que ton histoire sur le Royal Est, si demain on markete le truc, on le met sur YouTube, il y a 1 million de personnes qui le voient, les gens vont s'attacher à toi parce qu'ils vont comprendre ton histoire. Et en fait, ce qui nous manque là dans notre culture, par rapport à Debussy ou par rapport à... Là, je vais rentrer dans des artistes classiques, c'est parce qu'en fait, il y a une œuvre, mais cette œuvre-là, elle est référencée, elle est classée dans l'histoire. Des gens ont travaillé dessus, des gens l'ont marketé, et il y a des médias où on s'exprime dessus. Là où je veux intervenir, c'est que le Royal Est, au début, c'est pour ça que je tiens ce discours-là. Ça vient pas de nulle part, tu vois, c'est pas quelque chose, c'est une observation que j'ai faite, parce que j'ai été derrière les manettes, en tant que programmateur, à brancher des câbles, à balayer des scènes, à présenter des artistes et tout. Et j'ai été artiste sur scène. Elle est belle, t'as eu 12 000 casquettes. Et j'ai fait d'autres trucs, hein, c'est-à-dire des trucs de roadie, où j'ai voulu apprendre la scène et tout, où j'ai installé des structures en bas de la Tour Eiffel, dans Roland-Garros, dans des trucs. J'ai voulu apprendre ce métier-là. Je l'ai pris comme un métier à part entière, et je me suis dit, ce métier-là, il a plein de casquettes, il faudrait que j'apprenne tout
pour tirer une conclusion de ça. Ce que je voyais devant moi quand je faisais le Royal Est, et ça c'est l'histoire qui le raconte, c'est pas moi qui le raconte, il y a plein de personnes à l'époque, ils sont venus une fois, ils ont dit « Ah, Royal Est, m'kawoud, hada, putain, gars, fayah, le, hada, le bar, m'kawoud, fait le kabaïl, machin, tout et deux. » Aujourd'hui, les mêmes gens qui disaient ça, passent leur soirée au Royal Est, ils sont même copains avec le patron et même font des projets avec le patron. C'est exactement ce qu'on veut te dire. C'est notre point. C'est que ton observation, elle est juste. Sauf qu'en fait, l'analyse que tu en as faite, elle ne correspond pas à l'observation. Bah oui. Tu as fait passer... Je refais mon analyse en courte version. En fait, attends. L'Algérien, sans défaut... Non. Ouais. En fait, rien que le fait de commencer par l'Algérien sans défaut, tu es en train d'essentialiser l'Algérien et de généraliser. Non, c'est pas... En fait... En fait, ce défaut-là, il n'est pas lié à l'algérianité. Comme avec des fois, je dis souvent, nous n'avons pas le monopole sur les défauts de l'humanité. Ce défaut-là, il n'est pas associé au S12. Ouais. Ce défaut, il est associé à autre chose. Donc, il faut arrêter qui de tout mettre. Beaucoup plus complexe qu'on le croit. C'est beaucoup, voilà. Tu as parlé moi, un peu de politique, de trucs. Ce que j'essaie de te dire, Khoya, c'est que toi, il y a un lieu que tu as monté, les gens finalement, tu as vu que c'était possible que les gens changent d'avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avancer. Ça veut dire qu'on peut convaincre les gens qu'il y a des choses différentes. Là, Amin, il t'a dit, oui, on a un problème. Des fois, on a du mal à exprimer les choses, raconter les histoires, les packager et tout. Nous, à travers le podcast, on veut que les gens racontent ce côté-là. Et oui. Tu sais mieux que ça. Tu sais quoi? Je veux que le public comprenne. T'as dit, on n'a pas de médias pour parler de ces sujets-là. Le public, t'es là, il comprend. Billy, il y a une économie derrière. Billy, Hnaya, c'est notre vie. Je vais te donner un exemple. On peut donner un cours de Nes Beshi Fermo. Nes, ils ont le message, cache invitation. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes des artistes indépendants. Donc, nous sommes à la fois des interprètes et nous sommes aussi des producteurs. Qui dit producteur, ça veut dire nous prenons le risque. Ça veut dire qu'il y a une invitation, il faut que tu comprennes que je suis venu à l'intérieur pour faire un spectacle gratuitement. Donc, Nes, comme tu sais, au final, c'est le moment. Parce qu'il n'y a pas assez de zitkes pour que les gens comprennent Billy en faisant ça. À un moment, le casse fera en fait. Oui, mais les gens. Oui. La fara, elle se barre. Oui, non, mais c'est, tu vois ce que Nassim, ce qui est intéressant, c'est que tu as constaté un état initial. Regarde, tu as constaté un état initial. Tu t'es dit, je veux passer cet état d'un état A. Habot, un état positif. Tout le monde te disait, à la Knik Park. Il y a peut-être une personne qui a cru qu'il était heureusement le propriétaire du lieu. Kane. Ok, des gens qui t'ont dit oui, c'est intéressant, mais ils t'ont pas soutenu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, c'est une croyance à la fois, et c'était une foi. Tu as eu foi. Tu as dit, tu as décrit la scène comme un lieu sacré. Tu t'es dit, il faut que moi et d'autres artistes algériens ayons un endroit sacré où on puisse parler à notre public, parce que ça va nous permettre de comprendre notre musique. Parce que tu fais de la musique pour toi, ça ne sert à rien, ça sert à toi, tu extrais des choses. Oui. Mais il faut que tu la mettes en miroir avec quelqu'un, ce que disait tout à l'heure Delmo. En fait, tu sais, quand j'ai fait ma dernière date du Royal Est, il y avait des fidèles qui venaient à tous les concerts. Oui. J'ai fait des trucs de ouf. Qui était exceptionnel. J'ai fait des trucs genre des Indiens fusion avec des Nigériens je m'en rappelle avec le handpan, les trucs des trucs harp ang machin. J'ai fait tout type d'instruments, tout type de spectacles et tout. Ouais. Quand j'ai quitté le Royal Est, c'est que j'allais quitter en bon terme, hein. C'était vraiment pour faire de la musique. Oui, parce que c'était une autre histoire. Parce que aussi Karim, c'est quelqu'un qui m'a toujours poussé à faire de la musique. Il ne voulait pas me voir brancher les câbles. Oui, bien sûr. Même si c'est quelque chose qui me passionne. Mais il me disait, ta place, elle est sur scène. C'est-à-dire bien sûr, quand la création. Tu te donnes à fond et tout, j'aime bien ce côté-là. Ouais. Et en fait, quand j'ai quitté, j'ai eu ces gens-là qui venaient tout le temps au spectacle et qui m'ont dit merci. Merci pour tous ces spectacles-là, parce que grâce à toi, j'ai découvert plein de choses, plein de courants de musique, plein d'instruments, plein de gens, plein de... Et en fait, à chaque spectacle que j'organisais, c'était des nouvelles populations. C'était c'est très intéressant ce que je dis. Du coup, ton rôle, c'est pas juste d'enlever la déprime. Ton rôle, c'est de faire passer les gens, de changer un mini-comportement qui fait que par effet papillon, ce que tu as fait au Royal Est, la discussion que Reda, tu as permis de créer un lieu,
ou de, d'organiser un lieu pour qu'il donne quelque chose dans l'émotion, cette émotion, parce que Reda a vécu un concert avant, il a discuté avec des gens, il a bu un verre, il a hakam à Wahed, ça lui a donné une idée de t'inviter, et c'est ça. C'est, oui, c'est dans ce sens là où Reda il te dit il faut pas généraliser, parce qu'il y a des gens même qui sont en dehors de la niche qui veulent se dire attends mais c'est intéressant ça, c'est-à-dire qu'en fait l'artiste Ando l'URSSAF, Ando les impôts, ben oui, Ando le studio, ben oui. Les gens n'en sont pas, les gens pour eux un artiste Aïcha Gosto il notre sbah mais oui, il fait la grasse mat, il ferait un brunch, il se tape des nanas canons qu'il a rencontré la veille, ouais. Et puis tu vois ce que je veux dire, c'est le problème qu'on a souvent avec les associations, parce que les associations en fait ils t'invitent à la fin, ils te disent oui on a un truc et tout mais on n'a pas de budget. Alors qu'ils ont bien, bien raqué sur la boue, wow, sur le truc. Et, tout. Bah oui. Et l'artiste, il vient juste en supplément. Bah il oui. vient pour amuser. Et en fait, t'es non, d'accord vous... quand c'est une action, une action caritative, t'es d'accord. Mais quand c'est une action purement juste associative, wow, je un suis truc, complètement oui, bien d'accord sûr, avec ça. Temps. En fait, là aujourd'hui, avec Amine, on ne veut plus s'arrêter à ça. En fait, on veut, tu vois, genre, il y a quelque chose auquel on pense, on le fait. Voilà, on s'est dit, il n'y a pas un endroit où on peut nous parler, ou qu'on peut nous parler, même si ils font, même en termes de vocabulaire et tout, juste à cas. En plus, voilà, on est comme on a dit, algérien de niche, un peu, le gorba, tout ce que tu veux. Voilà, on va monter un podcast. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, tu as dit, écoute, je suis arrivé à Paris, je n'ai pas de lieu, je vais créer le Royal Est. Voilà, point à la ligne. Tu vois? Et en fait, c'est pour ça que je t'ai dit, je pense qu'il est temps qu'on soit. Dans une position active, dans l'action, tu vois, dans l'entrepreneuriat, dans la création, dans quelque chose. Allez, j'ma'a, chèchos, chèchos, hadi, tu vois, par exemple, goutlek, les gens ils payent pas, j'ma'a, rakom tsema'ouna, arrêtez de demander des invitations. Tu vois, je vais te raconter une petite anecdote, Nassim, et grâce à le groupe Ousmo Kesh Kharja sur Facebook. Oui, que je connais, oui. Ouais, j'ai juste pu. Wahab, que je remercie, Wahabus. J'ai fait une vidéo banale où je jouais du Bendir sur Ben Bouzien. Rien de magique. Il m'a dit, publie-la. Publie-la sur le groupe. Et il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, on a envie d'atelier, d'apprendre la percussion. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, les gens ne viennent pas apprendre la percussion. Les gens viennent me parler de musique. Ils viennent me dire, moi, j'ai envie de m'intéresser au Mdahat. Il y a une nana qui me dit, moi, Mdahat, je kiffe ça. J'ai envie que le Mdahat, à Wahran, Gsarma, le Mdahat, à Ajit, Gsarma, à Nqarat, à Constantine. Et j'ai envie que Hna, plein de nanas, commence à jouer cette musique et on va fabriquer quelque chose. J'ai envie qu'il y ait un bassiste qui joue avec nous. Elle m'a parlé d'un contrebassiste qu'elle a connu, un, tu vois. Et c'est ça. C'est ce que ça a toujours été le cas. De la musique, on parle de la musique, on va pas généraliser à l'art, parce que quand on parle d'art, on va parler très loin, mais la musique algérienne, elle a toujours fonctionné comme ça. Oui. Depuis des décennies, le nombre de styles qu'on a, il y a une matière infinie qu'on peut utiliser et qu'on peut agencer comme on veut, et c'est ce que tu fais, toutes les subtilités que t'aimerais. Et regarde, rien, j'ai rien fait. J'ai juste publié une vidéo et je me suis dit, ok, je vais prendre du temps, je vais louer un studio et je vais montrer aux gens 2-3 techniques comment jouer le tac, le doom. Et en fait, derrière, c'est pas le rythme qu'ils veulent apprendre, c'est l'univers musical. Ils veulent comprendre un univers musical. Ils veulent apprendre à écouter de la musique. Ils me demandent, Amine, envoie-nous de la musique. Ils ont assoiffé de ça. Et toi, t'as compris ça en 2015 ou en 2014. Et je t'ai dit, vas-y, on y va. Et tout le monde te dit, parce que les gens sont des festifs, forcément, toute idée. Ça, c'est pas pour les Algériens. Ouais. Tout le monde te dit, une nouvelle idée. Facebook, ça va jamais marcher. Les gens qui publient des photos. Frère, ça fait des millions de des milliards de dollars en truc. Il y a plein de gens. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrête de dire nous, les Algériens, qui t'aiment dans la phrase. T'aiment dans qu'il y a une catégorie de personnes qui m'a. Je sais pas, il faut lancer un nom les beaufs, par exemple, si on se caractérise par le exemple, truc. Ouais. Voilà, mais Bush, ils veulent écouter du Johnny Hallyday tout le temps, ils veulent pas écouter du Vianney, ou là, ils veulent pas écouter du DJ Snake, ou ils acceptent pas que DJ Snake et Soul King et Jul, ce soit les meilleurs vendeurs en France, mais c'est le cas. C'est une musique qui marche dans la street, etc., qu'on le veuille ou non. Donc, c'est ça le propos. C'est très fin, c'est très. C'est fragile parce que on. Reda n'est pas docteur en histoire de l'art et moi je suis pas docteur en littérature. On dit ça avec nos mots, on dit ça avec les mains. Et les gens veulent maintenant comprendre avec les mains.
Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un langage simplifié. Mais il fait mot, la complexité, les choses complexes. Pas forcément simplifié, mais juste un langage sincère et honnête. Voilà, ouais. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand t'as dit... T'as dit, tu crois que j'aimerais bien, moi, tu vois, tu l'as dit comme ça. Tu crois que j'aimerais pas vivre en Algérie, tranquillement? T'as vu? C'était ça, mais c'est d'une profondeur. C'est d'une clarté. Tu vois, avec Kilma, quel rochillette. Parce qu'en vérité, moi j'ai envie de ça, moi. moi la mer, elle, ça me T'es pas le seul, manque. Hein. Le soleil, ça me manque. Donc quand je parle, c'était par rapport à l'exil, en fait. Quand je parle d'exil, bah oui, va supporter moins 6 degrés pendant... va supporter le mois de novembre en France... Et viens me dire qu'est-ce que ça veut dire l'exil. Ouais, je vais te dire, va supporter le mois de novembre un truc et je vais te dire que l'exil c'est ça en fait. J'ai peut-être le dar ou gâté le chauffage. Ou dire que le toi série ta bbjiet. Là, on est c'est bien, on est très bien. J'ai peut-être que le rouge ta sabara. Ou le thé, t'es à la montre. Ou le thé, t'es à ouet souf. T'as pas rien dit, croyant. Qu'est-ce qu'il faut? Mais comme t'as dit que. On essaye de reproduire un peu. Voilà, ces énergies. En tout cas. Ce que je trouve de positif, parce qu'il faut, il faut bien un truc. Ça, c'est vrai que j'ai pas osé lui dire que t'es un peu négatif, mais ce que je trouve de positif dans ce genre de truc, c'est que dans la lignée de cette, je trouve. Hein, alors quand tu m'as écrit pour le podcast, évidemment j'étais très content de participer. Juste après toi, quelqu'un d'autre qui m'invite à un podcast. Une Algérienne qui veut faire son premier numéro en janvier et puis elle va faire un truc. Ok, elle va faire son podcast et tout. Juste après, il y a une émission TV, Dima TV. Avec Chouri. Trop bien. Chouri qui est super et j'ai fait une émission avec lui sur ZTV. Exceptionnel, Chouri. Donc, faut qu'on l'invite d'ailleurs. En fait, dans la même semaine, il se passe tout ça. C'est exceptionnel. Et je me dis, mais il y a quelque chose à faire, en fait. Et ben pourquoi t'es négatif et au pessimiste comme ça? Pas de négatif, parce que aujourd'hui, en fait, il y a que du positif par rapport à ça, parce que nous sommes en train d'écrire notre propre histoire. Et parce qu'en fait, je pense que nous tous, on a compris que on avait du talent, on avait ce qu'il faut, le matériel, le tout, pour créer notre média à nous et notre média suivi par nous. Et notre lieu, surtout, c'est ce que t'as fait. C'est pour ça que j'ai dit, toi, t'es une légende. Il y a un lieu. Le mec, il est une légende, il a créé ce lieu. Tu sais, est-ce que tu te rends compte le nombre de dépressions qui ont été évitées grâce au Royal? C'était le lieu, peut-être, qui a servi à certaines personnes et tout, et qui continuera de servir. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça fait du bien, ce lieu. T'as dit un truc tout à l'heure hyper fort, mais c'était hors enregistrement. T'as dit qu'il y a un contrôle des ailes ou l'is gauri. Oui, c'est vrai. C'est tu vrai. Sur contrôle le blood, laisse-moi les quelques jours parce que nous voulons Algérie. Ça fait début. Parfois, ils amènent quoi de gauri, tu vois. Genre, parfois, il y a des trucs que je ne comprends pas. Tu vois, par exemple, la dernière fois, le blood, la cité d'y aller, Nas ou la Wichounou, les poubelles en plastique, et du coup, il n'y a plus de poubelles. Donc, le Nas, il jette la poubelle, même le sol, tu vois. Genre. Donc, tu as des cases, on a nettoyé, trucs, machin, on a nettoyé la partie où on a planté des arbres. Un arbre, c'est censé dire stop, c'est la nature. Tu vois. Ouais. C'est censé dire stop à la poubelle, tu vois. On voit un petit peu l'évolution et tout, Adik, pour voir et tout. En fait, c'est une conscience collective qu'il nous faut. En fait, c'est que, dès que tu veux tresser la poubelle, trouve un moyen. Eh ben, c'est ça. Rassemble un truc. Un lieu où il y a de la musique, dire le Royal Est. Exactement. C'est pour ça que je te dis que, c'est pour ça que, enfin voilà, on essaye avec Amine d'avoir une discussion avec toi hyper positive.
tu vois, genre même les gens qui nous écoutent, هذا الديسكور هذا تاع وي لي بوبال يعرفوه الناس ils en ont marre, ils سمعوا هذا الديسكور هذا صاي خرين بزاف. لا 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 بصح اتون عمك تمشي تحل تيك توك وي لوجيري بلاد انا لا وجه alerte les gens, les gens se plaignent mais ne font rien. Non 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 c'est pas non. La preuve, toi, tu fais. Avec Amin, on fait. Tu m'as parlé d'une meuf qui t'a contacté. Je parle de l'autre côté de la rive. Non, même l'autre côté. Non, l'autre côté de la rive, c'est beaucoup plus complexe et je pense qu'on n'a plus, ni toi, ni moi, ni Reda, les outils pour l'analyser. Ben oui. On a une vision extérieure, mais qu'on appelle une vision méta. Il y avait des gars qui faisaient des trucs et tout. Je ne vais pas citer les noms, mais en tout cas, je parle de Tlemcen. Il y avait des gars qui faisaient des choses et qui utilisaient ça pour les réseaux sociaux, pour dire que je suis un mec bien, tu vois. Oui. En fait, c'est pas ça. Laisse-moi dire ça parce que ça, c'est important. Il y a des gens qui font du bien et qui veulent montrer aux gens qui font du bien. C'est-à-dire, quand tu veux, tu te lèves, tu vas faire quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait de médias pour ça. Parce que ça, tu ne le fais pas pour les médias, tu le fais pour le bien de l'humanité, tu le fais pour le bien des gens. Nassim, tu as raison. On peut arrêter de parler des gens et on peut parler un peu de toi. Là, il n'y a pas de problème. Mais, c'est pour ça que tu n'es pas connu, en fait, parce que tu n'es pas du tout mégalo. En fait, le truc, c'est que le peu de d'égocentrisme dont il a besoin pour exploser et devenir une star planétaire, il ne l'a pas. Regarde, oh, allô. Arrête. مالك تهضر على الناس مي اريت دو بارلي دي نو باسكو نو باسكو سي دي شوز كي لو رونج دونك لاش تو بارلي سي دي شوز كي مي توش مي وي جو سي كي سي دي شوز كي تو توش مي سي دي شوز كي مي توش بوكو كي تروح للاستي اوجوردي خليها يهضر وتلقى مالك لك حاجه هضر خويا لك حاجه صاير شوف الميكرو كي تروح للاستي اوجوردي اي تو تروف لا مواتيه دو لا فوري اون 10 ans qui est dévasté, en fait, il y a plus un arbre dans cette forêt là et les gens, en fait, ils s'en foutent, en fait, ils construisent des maisons, ils construisent des apparts, il y a plus un arbre, en fait, c'est incroyable, en fait. Nassim, je peux te poser une question, tu me réponds sincèrement? Allez, je mets troll chunteya باش تسقم الحالة. Pourquoi tu restes là? Non, réponds-moi sincèrement. À chaque fois, je me suis promis ça, je me le promets, ce truc là. À chaque fois, j'ai planté plusieurs arbres. À chaque fois, je vais planter des arbres. Tu ne vas pas t'installer là-bas. Allez, je mettrai fait smartek ou ladek ou tu me chies triyhtemma et t'essayes de changer les choses. Pourquoi tu le fais pas? Parce que moi, ce que j'essaie en train de te dire, allez, elle est très bien. Non, ce que j'essaie, c'est pas rien goulak. Ta vie aujourd'hui, elle est là en fait. Je sais pas si tu te rends compte. Ta vie, elle est là. Ma vie, elle est là. Et du coup, donc, allez. C'est bon, en fait, ta vie, elle est là. Les gens qui sont là-bas, comme ma mère, comme des gens qui sont âgés, qui n'ont plus le besoin de partir ailleurs et tout, Hadouk, c'est bien qu'ils aient quand même quelque chose d'assez propre, de quelque chose qui, tu vois, qui parte dans la dignité, tu vois. Je peux te poser une question. Mon père, d'abus, gahiatou, elle a la saleté. Elle a donc, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, Nroh, au moins, je me dis, en fait, quand il y a un wahed qui fait chaque ville, il remet juste autour de chez lui. Mais en fait, il se dit juste nettoyer ou chacun autour de chez moi. C'est tout. Oui, mais Nassim, est-ce qu'on peut regarder. Tiens, mais il ne faut pas ne rater au Shams Belgherbel. Tu es parti. Tu sais, avec Amin, on s'est dit, il faut qu'on en parle à un moment donné et je pense que c'est le moment. Oui, je suis d'accord. On est bien d'accord qu'il y a une forme de lâcheté. En nous, là, toi, moi et Amin. Il n'y a pas de lâcheté. Il n'y a pas de lâcheté. Dis-moi pourquoi. Il n'y a pas de lâcheté parce que moi, ce que je fais. Cet épisode, il va être génial. Les gens vont écouter. Attends. Il y aura Nassim Dindan, Reda Sderé. On va buzzer sur TikTok. On va faire des vues. Je vais te dire pourquoi il n'y a pas de lâcheté. Octogone. On va faire ça à Harsha. Octogone. Écoute, Reda, il n'y a pas de lâcheté. Pourquoi il n'y a pas de lâcheté? Parce que c'est facile. C'est facile d'être ici à Paris. Pourquoi je suis parti? Tu sais, Ousmane. C'est facile d'être à Paris autour d'une bonne bouteille de rouge et tu es en train de te plaindre. Oui, l'Algérie, nanani. Nanana, alors que t'es en train de te la couler douce ici, t'es en train de monter des lieux, tu fais ta musique et tout ce que tu veux et tout. C'est facile de dire ça. C'est facile en fait. Reda, en fait,
partir, c'est pas une lâcheté. Parce que, regarde, moi j'ai toujours voulu, quand j'étais au CEM, au lycée, j'ai toujours voulu être journaliste. Ouais. Jusqu'au point où j'apprends que... J'ai appris en fait que journaliste... Ah putain, les études étaient en arabe. J'adore. Il perd pas son sens de l'humour. Moi je voulais faire journalisme, genre bien, tiens, ça claque, truc en fait, tu choisis ta langue, je sais pas, truc. Hel tabarrenta fil arab? Fil blad, journalisme, l'arabia, ça n'existe pas à Tlemcen en plus. À l'époque, ça n'existait pas à Tlemcen, il fallait partir à Alger pour faire journalisme et tout. Donc après, bon, c'est pas grave, j'ai choisi une formation où il n'y avait pas d'arabe. Donc, licence en français. Donc il n'y avait pas d'arabe. C'était compliqué d'intégrer de l'arabe dedans. Il s'est dit, bon, on va se radicaliser, ça va être plus simple. En fait, c'était une formation où il n'y a pas le... il n'y a pas la langue arabe, il n'y a pas de tarbiyah islamia, tu vois. Parce que j'ai toujours trouvé que c'était bizarre ce cours-là, au fait, qui intervenait dans la semaine. Tarbiyah islamia. En fait, bizarre pour toi, mais ce que disait Reda, c'est que beaucoup de gens dans la société se trouvent ça extrêmement important. Pourquoi tu trouves ça bizarre, tarbiyah islamia? Moi, je trouvais ça bizarre parce que tarbiyah islamia, il y a un endroit pour apprendre ça. Et selon l'envie. Parce que ça ne peut pas être quelque chose d'imposé à toute la population d'apprendre tarbiyah islamia, tu vois. Il manque ça en Algérie aussi. Il manque la liberté de pouvoir apprendre ce qu'on veut apprendre aussi. Je n'ai pas envie d'apprendre tarbiyah islamia, en fait. C'est pas un module qui m'intéressait non plus, tu vois. Et pourtant, je l'apprenais. Module, hein. J'adore. Tu vois. C'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément. Je l'ai appris. Alors, pour resituer le truc, attention. Il y a une différence entre la croyance et l'adoration. Non, je le dis, en fait. Remets ça dans le contexte. Parce que moi, je suis un croyant, je crois qu'il y a une puissance au-dessus, Dieu, t'as machin, truc et tout. T'as pas besoin de te justifier, t'inquiète pas. Là, Malich, c'est pas... Je me justifie aussi par rapport à moi, en fait. Parce que je me dis aussi... En fait, je trouvais que ce module-là était très injuste. Parce que t'étais noté sur ta foi. Oh, oh. Tu vois, Shabbat. C'est très injuste, en fait, d'être noté sur sa foi. Rabbi est le seul qui peut te noter sur ta foi, en fait. Tu vois, une fois, j'avais posé une question. J'étais au lycée et j'avais posé une question à un prof d'arabe. مش من بعد تربية إسلامية عربية. تأخلي عليه. بروح تعربية مش تربية إسلامية. تعربية. كان يقرأ تاني تربية إسلامية. كان يقرأ، mais il était très fort dans cette matière là. C'était quelqu'un de très classe, très. فتحته direct. لا لا سيري. كم سمعت مسكين الله يرحمه الله. لا 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 il est encore vivant. Oui oui non 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 il est encore vivant. Sûr. Oui, oui, oui. D'accord, non, il était pas très âgé. Je pense et j'espère pas parce que c'est. Qui 22. C'était Bnoutoufail. Bnoutoufail. Bnoutoufail, prof d'arabia et tout genre. C'était un gars très classe qui parlait en arabe et qui défendait la langue arabe. Je trouvais que c'était majestueux de sa part d'avoir cette classe là de parler en arabe, de qu'on lui réponde en arabe, qu'on essaye de faire l'effort de lui parler en arabe et tout. Je pense qu'il avait un combat, ce mec-là. Et en fait, un jour, j'avais posé la question et j'avais dit, parce que tu vois, il y avait des trucs, tu sais, dans Tarbiyah Islamia, justement, il y a un côté injuste. Tu vois, genre, il faut faire truc, la prière, le hajj, machin, truc et tout, bah, je troll le djinn. Et un jour, j'ai posé juste la question naïvement, où j'ai dit, en fait, est-ce que vous pensez que, par exemple, un l'abbé Pierre, ou un Coluche, ou des gens comme ça, ils vont aller en enfer. Même si on ne sait pas, on ne connaît pas s'ils avaient une religion ou pas. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. La réponse, c'était « Khad adawatak wansarif ». Tu vois. Donc, en fait, j'ai dû ramener mon père pour s'expliquer avec ça, truc, alors que moi, j'ai posé une réelle question. Je voulais juste savoir. Le mec, il pouvait me répondre après
sur ces questions-là, tu vois, c'est Dieu qui juge, c'est vraiment le... En fait, c'est pas parce qu'on fait la prière qu'on va systématiquement au paradis. عاود دقدق على ربي ربي حلو الباب قال له اسمع ارد لي دراهم الحج C'est ce qu'il n'a pas compris la dernière fois, notre producteur. C'est ça, ce genre d'humour qui fait rire. Chef, Anna, si je fais rire Reda, c'est que c'est bien. La blague, elle est bien. J'ai dans le chat, j'ai dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Ok, la blague, elle est trop drôle. Mais tu n'as toujours pas répondu. Juste pour te dire, ce module-là. Ma question, c'est quoi ma question? Tu te rappelles de ma question? Rappelle-moi ta question. Rappelle-moi ta question. Je t'ai dit. Bah, allez, tu ne rentres pas. J'ai dit pourquoi tu ne rentres pas. Je pense qu'il y a une forme de lâcheté dans le fait de partir. Et tu vois, par exemple, regarde, je vais parler en ton nom, Amin aussi. Dis-moi, enfin, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Vas-y, vas-y. Par exemple, avec Amin, nous, on est en paix avec l'idée de ne plus vivre en Algérie. Géographiquement, bien évidemment. Ça allait bien, Nabli. On vit notre culture, notre identité ailleurs. Où est-ce que l'Albi? On est Aïchine, Raya. Et en fait, on est bien content d'avoir des gens comme toi, Royal Est. On est bien content que les Bessies viennent. On est bien content de. Voilà, on organise des ateliers. On essaye de recréer. Comme je t'ai dit, on n'a pas quitté l'Algérie. On veut juste la retrouver. Voilà, Yatek Saha. Donc, on est en paix avec ça. Donc, Hnaya, Rana Barina Hadro, la Het Swala. Ntaya. Tu es encore connecté là-bas. Ça te fait encore chier. Moi, je ne vais pas te mentir personnellement. Quand il se passe, ce n'est pas toi, Amen, mais moi, maintenant, quand il se passe des choses là-bas, je t'avoue que ça ne me touche pas plus que ça. Tu sais pourquoi? Parce que je ne sens aucune légitimité. Bah, pareil. Moi, je pense qu'il y a eu un moment donné où ça me faisait mal. Et à un moment donné, moi, j'ai des réseaux personnels. Je suis déconnecté, mais genre je vois ça d'un œil. Maintenant, le seul truc où je reste connecté, fait zéro, où je veux vraiment savoir, c'est les mêmes. Tu vois, ça me fait rire, la zone de base, ce que les DJ allaient faire. Après, les gars, allez à la question. Allez, c'est un vrai sujet de. Moi, par exemple, personnellement, je trouve que j'ai été un peu lâche. J'aurais pu rester en Algérie et me battre, mais je suis parti en fait. Parce que je n'ai pas été assez fort. Je n'ai pas été assez fort. Et j'aurais pu une zinzaï. J'aurais pu une zinzaï à la rohe. Oui, mais je suis parti. Parce que le truc, c'est que, certes, j'ai perdu, en fait. J'ai perdu. Il y a une vraie bataille culturelle. Je le redis à chaque fois. Je l'ai déjà dit dans un autre numéro. Moi, je pense, Reda, tu as gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné, frère? Je suis parti. Je vais te dire ce que tu as gagné. Je vais revenir au truc. Je te dis ce que tu as gagné. En fait, dans ce combat-là, le combat que j'ai mené moi en tant que musicien là-bas, et quand j'ai quitté, tu vois, tout à l'heure on parlait de j'ai formé une formation, puis j'ai lâché l'affaire, puis un gars qui vient, qui me monte ma formation avec le studio, le truc, machin, et puis ça marche pas, et puis c'est même bien lui sûr. Qui m'a dit barre-toi mec, toi t'es pas fait pour ici, tu vois, parce que moi j'aimais trop la musique, je voulais trop faire ça, je suis parti. Mon frère, qui est un exemple, qui a fait les cinémas, les ciné-clubs du mardi, Qui a convié mais tous les réalisateurs, que ça soit Yanis Koussim, que ça soit Khaled Benissa, que ça soit truc, tous les réalisateurs sont venus à Tlemcen passer une soirée, présenter leur court métrage, faire des débats, faire des formations aux gens autour de ça, de laquelle j'ai assisté, celle de Khaled Benissa et tout. Ça c'est des gens qui se sont battus, et s'ils ont lâché l'affaire, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle. Si moi j'ai lâché l'affaire, mon frère a lâché l'affaire, d'autres personnes ont lâché l'affaire, c'est parce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé. Moi, quand je te dis j'ai essayé, Galborb, j'ai essayé. Je vais te dire où est-ce que je suis allé. Moi, quand je suis allé faire des études, dans mon entretien, tu te rappelles l'entretien psychologique qu'on a avant de partir Campus France. France. On a un entretien psychologique, genre un gars qui te pose des questions. Bien sûr. Moi, je disais la vérité. Je voulais aller apprendre la médiation culturelle parce que c'était une formation qui n'existait pas en Algérie.
oui. et l'administration et gestion de la musique et mmh. revenir travailler en Algérie. Donc, dans mon objectif, c'était de rentrer, vivre à Alger et travailler. C'est intéressant. Voilà. Dans mon objectif, c'était vraiment de partir, travailler en Algérie. Allez, un exemple, pourquoi. Donc, je crée le projet Dendana, tu vois. Genre, je suis encore étudiant quand j'ai créé Dendana Project. Dendana Project, tu vois, mmh. j'étais encore étudiant. Donc 2012, je fais un master administration gestion de la musique, université d'Evry, tu vois. Genre. Et en même temps, je fais de la musique, tu vois. Donc j'essaye d'expliquer ce truc-là. Puis on présente quelqu'un qui faisait partie de l'ARC ou l'OREF. L'OREF, je crois. À l'époque, c'était l'OREF. L'OREF, voilà, ouais. C'était l'OREF. L'ARC n'existait pas. Agriculture, gars. Agriculture, voilà, c'est exactement ça. C'est l'ARC. L'OREF, c'est Agriculture, ouais. Ok, on présente tel monsieur, je l'appelle, enfin, je lui envoie un message, truc, ouais, on s'appelle, machin, ok, pas de problème, on s'appelle, je l'appelle. Donc c'est bon, on a calé un rendez-vous téléphonique à une heure précise. Et je l'appelle, et ce mec-là me répond, ouais, allô, il répond pas le premier coup, deuxième coup, il répond. Il me dit, smahli, anina koul sandwich, t'as ou t'aïtli? Tu peux pas développer quelque chose avec quelqu'un. Moi, j'appelais le ministère de la Culture à l'époque, quand c'était Dendana Project. J'appelais le ministère de la Culture pour savoir si on pouvait venir jouer. Et la meuf qui décroche le téléphone dans le ministère de la Culture, le ministère de la Culture de l'Algérie, je reprécise, hein, c'est pas une petite enseigne, c'est l'Algérie. C'est la paroi culturelle entre l'Algérie et le reste du monde. Et la nana, elle répond « Ouah !» Voilà, c'est ça sa réponse. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois le mec qui te dit « Rappelle-moi, je suis en train de manger un sandwich », quand tu envoies un mail et le mec, il n'ouvre pas son mail, il le lit pas, parce que la culture du mail, on l'a pas, parce que des gens qui sont mis dans une place et qui ne sont pas à leur place. Là, on te dit, en fait, quand Reda, je vais recontextualiser ce que dit Reda, quand il dit « Tu veux finir ?» Je veux finir parce que en fait, c'est à partir de là où tu te dis, non, en fait, je suis bien ici. Pourquoi, qu'est-ce que je fous à vouloir partir faire un truc impossible, mission impossible, clairement mission impossible. C'est-à-dire, tu vas travailler dans un truc où tu vas corriger plein de trucs, alors que toi, tu as été éduqué à répondre aux mails, à être au taquet, à prendre la chose au sérieux. Ça veut dire quoi quand tu traduis ça? Ça veut dire qu'il y a des personnes là-bas qui ont fait, en Algérie, oui. Il n'y a pas de formation à ce niveau-là. Oui, donc, mais si on rentre un peu plus simple, c'est une idée encore plus simple. Que quand deux personnes ne s'entendent pas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ces deux personnes sont... Elles sont opposées, forcément. Ça veut dire qu'elles sont opposées. Là. Ça ne veut pas dire que ce que fait Zahir est mal. Oui. C'est mal par rapport à notre référentiel, nous qu'on a fait évoluer. On n'est pas dans le même projet de société. Toi, tu avais un projet de société qui est Zahir, sauf que Zahir, elle a continué à avoir son histoire. Exactement. Elle n'attend pas Nassim. C'est peut-être un peu méchant. Je me permets, Nassim, parce que je n'ai pas la même proximité que Reda Marek, mais je me permets vraiment. Juste pour qu'on comprenne bien. Ces personnes-là ont décidé d'un projet de société par l'État, par le gouvernement, mais les institutions... fonctionne, c'est-à-dire les gens vivent et c'est un pays plutôt stable quand on compare par rapport à d'autres pays. On est bien par rapport au Venezuela ou par rapport au Mexique, on en a bien, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que le projet de société ne correspond plus à une vision de, si on peut appeler cette niche Reda, ça ne correspond plus et ça ne correspond de plus en plus à de plus en plus de personnes. On sait que Nazim Bagourja, on sait que la fiqa Sahbi Khanoun Djidja, il y a plein de musiciens. Jam, il est venu. Ben voilà. Jam, il est venu un peu plus longtemps. Mais des ingé-sons sont venus. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le projet de société qui met la culture, mais la culture que nous, on apprécie. Parce que la culture faisait, elle continue de faire son chemin. Il y a du waywa, il y a des trucs, il y a les musiques à stade, il y a Didin Kanon qui fait de la musique, il y a plein de gens qui font des concerts. Mais ce que je te dis, là, c'est, pourquoi je te dis ça? On dit le mot lâche, il est en mettre entre guillemets, elle est dit c'est mot lâche. Moi, je ne te dirais pas lâche. Je dis qu'en fait, il y a un décalage à un moment donné où on n'a pas fait l'effort pour rattraper ce décalage-là.
comment fait, comme ont vécu la génération de nos parents avant les années 90. Ils le disent, un amour, mon père, il le dit. On a perdu un combat qui était essentiel, c'était un combat de la pensée et un combat culturel. On a perdu ce combat-là. On a perdu une bataille. On a perdu une bataille, pardon. Voilà, tout simplement. Ça, c'est tout le monde. Non, mais attends, pourquoi on a perdu cette bataille? Nous, on vit un peu dans notre niche. Oui, mais on connaît les mêmes personnes. C'est tout le monde qui le dit. Moi, de tout le monde. Et bien, pourquoi on a perdu? Que ce soit, je prends un Youssef Boukhella. Oui, mais parce que c'est les mêmes personnes que tu connais. Moi, je connais des gens qui sont très heureux en Algérie. Il y a des gens qui sont à l'ONB. L'ONB, l'Orchestre National de Barbès, qui existe depuis 25 ans, qui a sorti Karim Ziyad, qui a sorti Youssef, qui a sorti. Ils ne connaissent pas Chériki. Pour eux, c'est un morceau. Là, oui. Ils savent pas c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même, ça fait, c'est un élément étalon qui te permet de mesurer à quel point. Par contre, tu leur parles de Cheb Bello ou tu leur parles même d'autre chose. Tu leur parles de Cheb Mami ou de Hasni, ils connaissent parce que là, on a pris la partie d'une culture urbaine, on l'a rendue institutionnelle, et maintenant même Abdelkrim Dali ou Hadj Mohamed Naqesh sont plus connus. C'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi, comment, ni toi, ni Reda, ni moi, nous avons fait des thèses où les des gens qui s'y mettent, des historiens, et moi j'ai des amis qui travaillent sur ça, et qui me disent, Amine, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a des couches, parce qu'il y a des sociétés, parce qu'il y a une influence géopolitique, et on n'a pas les moyens de décoder. Le seul truc qu'on sait, c'est que ça a des décalages, ou des décalages, c'est un peu plus de on s'est dit que le décalage est petit, il est rattrapable. Sauf qu'en fait, 5%, 85%. On oui. On se dit, putain, mais j'ai plus de repères. Mais je suis tout, parce qu'à l'époque, qui écoute Phil Blood, j'étais étudiant, j'étais vendeur de vêtements pour enfants. Donc je voyais la société, au fait. Bah oui. Et tout type de société, mais, les riches, les pauvres. Mais tu constates qu'après 10 ans, après 10 ans, c'est encore plus. Là, quand j'y vais, c'est pour ça que je voulais te dire. C'est-à-dire qu'on est déconnecté, on est déconnecté. Moi, je suis allé plusieurs fois cet été. J'ai été dedans, en fait. J'ai été dedans longtemps. Genre, Nukhoud, Maoulad l'Houma. J'avais Wahadoud l'Houma et j'ai barmajou un couloir. Tu es en train de rouler un joint devant Gaëtan Tajnaza. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il chauffait que tu. Mais après, il. C'est ma barom. S'il n'y a pas de problème, tu fumes. Mais attends, n'a pas de haro, la star d'amas. Je suis au maire, tu as dit. Vous allez dire, brum, ça doit être mal. Je sais qu'il allait dire ça. Zama, tu vois, il n'y a pas de. Malish, tu vois, les gens ont le droit de fumer. Ça, le capital religieux, Tanassim, vient de remonter. Tu vois, quand il y a de l'alcool, le respect d'une action familiale. De deuil, exactement. Voilà, tu peux respecter ça quand même. Nassim, tu vois, genre. Nassim, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que. En fait, on ne parle pas de ça. Parce que c'est juste un manque de respect. Tu le vois partout dans le monde. Je ne sais pas. À un moment donné, ils voulaient mettre en place des projets où ils n'ont jamais pu les faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché l'affaire. On en fait partie. On en fait partie, clairement. On en fait partie. Donc, ça veut dire que... En fait, en vérité, j'ai envie d'aller faire pipi. Il va faire pipi. Chléou, les auditeurs ici. Malish, ça fait partie du direct. Va faire pipi. Allez, allez, la question, Zach. Non, نهضروا مع رضا ونمبلي ونهضروا ماشي نمبلي نديروا ايكيا كاع شباغي. J'ai l'impression que Nassim مسكين انا نهضروا في ظهره. J'ai l'impression qu'il a toujours pas fait la paix avec le fait que راح للجزائر avec راه عنده واحد الديسكور تحسب تاع جد الله يرحمه. لا 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 باسكو عندك كي تكون je pense تا باسكو avec l'humour, t'as pas assez de références vers le désert. Il y en a, mais peut-être que ça te parle moins. Je pense que Nassim et Mazal, il t'inspirera. Et quand tu veux t'inspirer, forcément, il faut rester connecté.
Donc il reste beaucoup plus connecté. Moi, je l'ai un peu plus quand tu disais, maintenant on va parler d'un peu de moi. Quand tu disais faire le deuil, moi j'ai fait le deuil sur une partie, et pas sur la totalité. Tu vois ce que je veux dire ? Sur la totalité, parce qu'il y a des trucs aussi encore qui me touchent. Je comprends quand il a parlé de sa mère. Un endroit propre, tu vois, mais c'est bien sûr, je... la famille et du coup c'est juste qu'en fait je pense que il a pas encore séparé les variables faire ça, il met tout dedans. En fait, il y a le fait de nettoyer pour ta mère et pour qu'elle vive dans une home à propre. Tu peux pas extrapoler ça à l'ZR, tu vois ce que je veux dire, bien sûr, millions bien de kilomètres, oui, mais vois. Je trouve quand même que il a ce côté un peu du migré qui arrive pour donner des leçons. Mais frère, arrête de faire le donneur de leçons. Bon, oui, non, mais je comprends. Mais en fait, il j'ai boule, je sais pas le radis, non, ça, non, mais c'est pas, mais tu le dis pas dans un sens méchant. Oui, non, mais le truc derrière, c'est que on croit encore à une utopie, tu vois. C'est ça qui est. Je pense que l'utopie, à un moment donné, il va falloir la créer ici. Exactement. On est à Paris, l'utopie, on est en train de la vivre. Donc il faut Kingolo, tu te rappelles, je sais pas si on avait parlé ça les premiers épisodes d'Eltomac, quelqu'un là, Stéphane, qui quand tu lui parlais de ça, je sais pas, on a Belak قلت لي بصح معليش normal, Belak الناس غادي يسمعوا, هذا هو البريمير ابيزود اللي غادي يسمعوا, donc c'est normal. Stéphane قال لي, mais quand tu fais Paris, حبيت نهبط لمارسي, et en fait قلت له, قال لي comment ça se passe à Marseille, sincèrement, chez Stéphane, c'est l'autre père spirituel de Zid Kazak. C'est vrai, ouais. Allez, pourquoi ? Stéphane, qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu sens vraiment, Amin ? Je sens que même si je change d'endroit, j'ai encore le même deuil, en fait. C'est-à-dire que le deuil qui fait Paris, parce que j'habite dans Marseille, parce que c'est plus cool, parce que c'est la Méditerranée, parce que Marseille ressemble à Alger, parce qu'il y a Pouillon. Bien sûr. Tu idéalises le truc, tu essaies de trouver des points. Bien sûr, tu te retrouves. Voilà, mais en fait, en réalité, oui, ça ressemble à Zaire. Mais en fait, je sais qu'il y a Zaire, ou Zaire, mais je ne m'y reconnais plus dessus. Et Paris, ce n'est pas ma ville. Donc, je suis où ? Il m'a dit, peut-être que c'est toi, ton ancrage. Et du coup, je me dis, mais tiens, Reda m'a déjà dit ça. je lui dis, tu as parlé à Reda ? Il m'a dit, non. Et il m'a dit, mais peut-être que, tu vois, il m'a dit, et là, il me cite Amel Abdelkader qui a vécu ça, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et qu'en fait, finalement, il a vécu Alger, enfin, Mascara, ou Leftlemsen, il a fait Toulon, il a fait Paris, il a fait la série. Mais en fait, il a compris que son chez lui était lui-même, en fait. Et qu'il y avait une connexion, bah, bref, après, il a écrit sur ça. On revient à Nassim. Nassim Zahaba, il est le Baouli. Rania Oudjit. Rania Oudjit. Et bah, tu sais, pour te dire qu'on n'est plus dans un projet de société, je vais t'expliquer. Il y a un Instagrammeur, TikToker super connu, Fizel, qui fait des millions de vues. Je l'ai en suggestion sur Instagram. Tu sais ce qu'il disait ? Il dit : Nes génération, c'est la génération de Amnanouk. Mais c'est la génération de l'Iqraou le Coran. C'est pour ça que Bhelil. Le mec, il a fait une espèce de connexion. Ah. Il a dit ça, chérique, dès la caca. Halita, sbah, yom, smata. C'est quoi le rapport avec le Coran? Mais elle est belle, chérique, je sais pas. Chérique, il a fait une connexion quand même. En gros, les gens bhalil parce qu'ils se m'ont emmené. Est-ce que tu es en paix, Nassim? Anna, je suis génération Mnanok, en tout cas. T'inquiète pas, gars. Nassim, tu es en paix avec le fait que tu sois parti, ou là, tu y penses encore? Anna, je suis en paix. Parce que du début, j'étais en paix. Citoyen du monde. Partisan d'un monde. Après, j'aime bien l'idée de faire des choses qui font exemple. Ça, pas forcément pour que les gens fassent comme moi. Je vais te reposer la question. Est-ce que Kitroh le bled ou Tchoufa Blim Kaouda? Est-ce que tu culpabilises? Tu te dis peut-être est-ce que tu te dis, si j'étais resté, ça serait mieux? J'ai pas besoin de le dire. Sahabi qui était avec moi à la fac, au lycée, des trucs. Oui, mais je te pose la question, réponds-moi à la carnabinette. Non, entre toi et toi-même. Est-ce que Kitroh le bled ? Parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute et j'essaye de comprendre un peu le cheminement. La question, mais tu sais très bien que Kitroh le bled, tu es tout petit par rapport. Oui, mais Binik Ben Rohak, est-ce que tu culpabilises ? Non. Tu culpabilises pas ? Non. Vraiment. Je culpabilise pas, parce que le truc que je me dis, au fait, souvent, c'est
j'ai bien fait de partir en fait parce que habit n'aish une vie aujourd'hui rani aïcha pleinement qui m'a dit hab n'aisha et voilà. Papa ici, fais pas pipi ici. Allez, hésite qu'est ça. Réflexe ta papa. Mais le fait de partir, est-ce que tu considères que c'est une fuite? Peut-être c'est une fuite, oui, mais pour survivre. Ok, donc ça veut dire que tu considères qu'aujourd'hui, tu n'as pas une vie, mais tu as une survie. C'est-à-dire, si j'étais resté là-bas... Non, je te parle de cette vie d'aujourd'hui. Viens, on parle de ce qui existe. Aujourd'hui, tu... qui était tracée. Non, elle n'existe pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose de concret? Elle existait, en fait. Non, oui, mais là, tu es là. Tu m'as dit, je suis parti pour survivre. Exactement. Est-ce que, donc ça veut dire que Hayat Kalium, tu mets à Hayat, tu mets à survie. Là, c'est Hayat. C'est une vie, donc oui. Finalement, j'ai des enfants, j'ai une femme. Oui. Je suis heureux donc, de vivre. Donc c'était une fuite pour vivre. Pour vivre. Mais. Et donc. Avant de retrouver la vie, j'ai survécu. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. C'est... Oui, il y a des étapes aussi qui auraient été classiques aussi, c'est-à-dire qu'il faut que tu perces. Ça aurait été la même chose. Et donc, en gros, dans cette fuite, tu ne considères pas qu'il y a une forme de lâcheté? Non. Très bien. Tu sais que la musique, tu m'as dit, c'est une course de fond. Tu sais que le podcast aussi. Hein. Tu sais qu'il y a des gens là. Peut-être ça fait 2 heures qu'ils nous écoutent. Et ils sont arrivés jusque-là. Ah oui. Donc ça veut dire que s'ils sont arrivés jusque-là, ça veut dire qu'il va falloir leur offrir quelque chose. Genre tu veux... On va leur offrir quelque chose, bien sûr. Mais attends, mais par contre, pour leur offrir quelque chose, il faut que tu parles dans le micro. On va leur offrir quelque chose. Ah bah voilà. On veut que la bougossitude de ce futur album apparaisse dans la voix. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Déjà, je vais faire quelque chose de... Pour l'occasion, je vais faire un truc qui n'est pas encore sorti. Allez, gars. Podcast. هذا الجديد اللي جبتونا اليوم دونك نسيم دندان nous a ramené en cadeau un album qui va sortir en 2023 mars 2023 fait un peu de pub quand même qui s'appelle Shadi Madi, c'est le nom définitif. Shadi Madi, ouais, très bien, oui, parce qu'on peut, donc on peut en parler, ouais. Voilà, restez كي ولات تسمع هذا البودكاست وتلحقتوا لهنا il faut absolument aller l'écouter. قبل ما نلعبوا Shadi Madi, علاش اسمه Shadi Madi؟ Bah c'est à toi de nous dire. Shadi Madi, le morceau, il raconte justement ce mec-là qui était là-bas, qui avait le choix de partir ou de rester. Mmh. Et il a choisi de partir. J'ai compris. Il a choisi de vivre sa vie. Parce que Dar Shadi Madi, entre sa vie de là-bas et sa vie de partir, en fait. Tu sais pourquoi c'est difficile de faire parler sur le sujet d'Azer? C'est qui? Parce qu'il en parle dans ses albums, en fait. C'est réglé. C'est ça sa matière. Donc, il extrait ça sous forme de musique. Rien quand on doit aller avec le podcast. Mais c'est vrai. Non, mais moi j'aime bien, en fait, l'idée du podcast. Bon, franchement, on a parlé pendant 5 heures, je crois, mais les gens, ils vont pas tout écouter. Mais, on va garder juste une partie. Mais en tout cas, ce qu'on a dit, l'initiative surtout, c'est une initiative qui est vraiment nouvelle et qui est dans le besoin et dans l'urgence. Donc on est un peu le royalès du podcast. Exactement. C'est le royalès du podcast parce qu'il faut des podcasts, il faut des émissions, il nous faut quelque chose qui nous connecte à nous-mêmes, ce que tu disais tout à l'heure. Et parce qu'on était trop éparpillés. Et tout le monde s'est éparpillé. Même moi-même, je m'étais éparpillé. À un moment, j'étais allé dans des trucs. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Genre, c'est... Chez moi, c'est pas comme ça, quoi. Et quand je vais faire des spectacles où vraiment je restitue un live
un live où je me dis vraiment tout le monde danse, tout le monde est content, tout le monde est truc. Certes, c'est très chez moi. T'as peu de personnes qui viennent d'ailleurs, mais ça nous ressemble. C'est à nous, ça nous appartient. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est pas du communautarisme, mais en fait, on a besoin d'être nombreux pour se faire entendre. Parce que être éparpillé, ça va faire que bah, c'est une puissance qui est éparpillée, en fait. Mais recentrer cette puissance dans un podcast, dans une émission, dans un lieu de spectacle, dans un truc, ça fait évoluer les choses. Et je trouve que c'est la bonne démarche. Et voilà, je suis le premier à participer à ça. Et je vous remercie pour ce podcast. Vraiment, sérieusement. Vraiment, c'est pas, je vous jette pas des fleurs, mais. Merci vraiment, de vraiment, vous avez fait un truc de ouf. Et je pense que. Voilà, c'est l'histoire qui va raconter. Inch'Allah. Merci de nous avoir laissé te torturer pendant plus de plusieurs heures. D'ailleurs. 5 heures. Ah ouais, vraiment. 5 heures. On va te laisser faire ce que tu aimes. On va te le laisser plus. Offrir un cadeau aux gens. Atteignez le micro, t'as. Bien sûr. Tiens. Alors, le micro. Ah là 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 là, Nassim Tinden. Putain. Donc ça veut dire que là, tu vas nous chanter quelque chose de complètement nouveau, quoi, c'est ça? Complètement nouveau, comme c'est moi bien. Ouais. Ok, bien, c'est bien, ça c'est le micro. Je vais le mettre un peu loin, comme ça, parce que comme ça, il est pas égal. فات اللي فات هي كل شي مات ملي بغيتي الفراق صحابي ضحكوا عدياني فرحوا كي شافونا نتفارقوا داروا لي داروا بيناتنا دخلوا ما يبقى في الواد غير حجارو غرامك بكاني اليوم راهو يضحكني كي لقيت الحب لي نجاني هيمين حبيتك انا اللي عزيتك عمري جامي نفوتك كنتي تقولي جامي نخدعك عمري حياتي نجوزها معاك خليتيني نوالفك حتى فاض الواد سرشت الجواد قلب الصافي بداي سواد حد فينا متاب الحجار مداب حد فينا متاب الحجار مداب نشد في صحيح عمري ما نطيح دنيا الدور وش دام أدوم نسالهم ينساك نسالهم ينساك نسالهم ينساك نسالهم ينساك حبيتك انا اللي عزيتك
عمري جامي نفوتك خليتيني نوالفك اللي فات مات اللي فات مات في الواد من غير حجارو شد في صحيح عمري ما نطيح دنيا دور شدة ما دوب اللي فات مات اللي فات مات اللي فات مات اللي فات مات امين Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Le goût je n'ai pas les mots. Oui, mais on sait que avec histoire, avec tarikh. Là, ça fait plaisir de finir avec da, par. Par de l'amour, parce que qui me rappelle le grand cheikh Sidi Bémol. Mais qu'il y a un peu de l'amour. Alors, c'était un nouvel épisode de Zitkes. J'ai l'impression à chaque fois j'ai cette petite voix mélancolique parce que gars les invités Ligi à la belle que je vais te payer la sera. Nassim avec. C'était incroyable. C'était incroyable. Moi j'ai découvert Nassim sur un autre angle. Je le connaissais que musicalement et j'espère que j'ai pu mettre des pistes qui m'ont pour le faire. On a beaucoup parlé, on a parlé de tous les aspects de la musique, comment il fabriquait, comment il s'intéressait à l'univers de la musique dans un, avec un grand U. Et il voilà, est fou quand même, il est incroyable quand même. C'est une légende aujourd'hui, musicalement, parce qu'il a créé ce lieu qui est incroyable. C'est pour ça qu'on a fait Zitkes, c'est pour entendre ses histoires, parce qu'on a refoué les coulisses, parce qu'on a refoué les souffrances qu'il y a derrière, les besoins. Et en fait, j'espère que vraiment, en fait, vous avez un aperçu, Bestchoufou, tout le travail qu'il y a derrière, gars, les sacrifices qu'il fait, même. Parce que voilà, nous, on baigne dans tout ça et... On a voulu le partager. Okay. Aujourd'hui, Nassim nous a livré des secrets bien gardés, mais qui sont importants pour que tout le monde écoute et comprenne. Ouais, lèche, pour aboutir à quelque chose de beau, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on fait, lâchez pour comme le hal, mettez un seul, bien sûr, abonnez ou partagez. Vous pouvez en parler autour de vous, Nestlé, bien sûr. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi juste voilà, vous confier aussi parce qu'on est là pour ça aussi. Comme d'habitude, toute l'équipe, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Reda Sederé, vous avez toutes les dates de mon spectacle. Amin Ben Chakron, Instagram, Facebook. Amin Ben. Les ateliers, la percussion, bien évidemment, Delmo à l'image, l'ou à la musique. Yatekoum Saha, et comme d'habitude, Oudan Rabento, Zedokes.